Alléluia, je crois qu'on est en live. On va commencer. Je sais qu'on a déjà commencé, mais là, on y va pour de vrai. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Tu peux chanter avec moi. Hey, que tous les autres noms, jusqu'à ce qu'il y ait. Yeah, dis-le. Que tous les autres noms, Jésus prend ta place. Est-ce qu'on peut lui redire que tous les autres noms disparaissent? Hey, c'est le désir de nos cœurs que tous les autres noms disent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Yeah, dis-lui. Jésus prend ta place. Je vais faire le début en anglais, mais peu importe si tu le connais pas. Hands up, arms open, wide as the sky. We lift you high. We lift you high. Hands up, arms open, wide as we cry. Yeah, God will lift your name high. Que tous les autres noms, dis-le. Amen. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms, on proclame sur Paris, Jésus, Jésus prend ta, Jésus prend, Jésus prend ta, Jésus prend, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, dis-le encore, Jésus. Jésus prend ta place. Jésus est. Jésus. Jésus prend ta place. Une dernière fois, Jésus. Jésus prend. Prend ta place. Aucun autre nom que toi. Hey! Dis-le. Aucun autre. Je chanterai. Yeah. Je dis même troisième jour ressuscité. Ah yeah.
toi qui règnes en majesté. Ah, je dis même, par ton nom tous sont rachetés. Yeah, toute ma vie je chanterai. Aucun autre nom que toi, oh Maya Bashaya, aucun autre nom. Yeah. Oh, aucun autre nom que toi. Yeah, 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 yeah. Toute ma vie je chanterai. Yeah. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yeah. On peut le dire ensemble, dis-le. Jésus, yeah. Yeah. Tu es élevé au-dessus de tout. On le redit encore une fois. Jésus, 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 tu es élevé, yeah, au-dessus, yeah. Oh, une dernière fois, Jésus, Jésus. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, yeah. Nous avons besoin de toi. Yeah. Je dis à de révélation, souffle sur nous, dis-le. Souffle, yeah. Souffle sur nous. Yeah. Viens, esprit, viens. Souffle sur nous. Oh. Demande le souffle sur nous. Sur nous, nous te demandons de venir souffler à ta part. Viens, viens. Yeah, dis-le, crie-le. Souffle sur nous, souffle sur nous, à ta part. Yeah. Viens, esprit. Shamaya sa televaya la borra tamaya shele Shemama mama baye la barata via esprit. Yeah! Demande-lui encore! Souffle sur nous! Est-ce que tu vas même prendre ce moment, tu vas prendre la même impulsion et tu vas commencer à parler en langue, tu vas commencer à déclarer, Saint-Esprit de Dieu, toi qui déclares, toi qui révèles les mystères, viens et descends sur nous, descends sur nous. Nous bâtissons cet autel ce soir afin que tu puisses descendre encore. Explique-nous, Seigneur, révèle-toi encore à nous. Tu fais bien, tu fais bien. Cherche encore, rappelle encore, rappelle encore. Retapa ya macha, yeah, 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 yeah.
Alors je ne peux pas commencer sans honorer la présence de mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Est-ce que tu peux puissamment acclamer pour sa vie? J'aimerais également que nous puissions acclamer pour maman Simiane, qui est une source de bénédiction pour notre vie. Est-ce que tu peux fortement acclamer pour maman Simiane, s'il te plaît? Alléluia. Alors grande est ma joie de me retrouver parmi vous encore ce soir. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien. Et j'ai une bonne nouvelle à vous apporter. Dites avec moi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Alléluia. Alors nous aurons notre culte en présentiel. Donc nous sommes actuellement, pour ceux qui nous suivent, en studio à Paris. Donc c'est l'église Porte des Cieux en implantation. Mais nous aurons notre culte qui sera ouvert à tous sur Champigny. Donc pour ceux qui notent, je vais vous donner l'adresse. Ce sera le 2 octobre. Je sens déjà quelque chose de glorieux qui va descendre. Amen. Ah, non, ton acclamation ne me convainc pas.
Je sens une grâce particulière qui va descendre sur la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous serons au Sablon du Grand Paris. Donc pour ceux qui notent, pour vous également qui êtes en live et qui souhaitez nous rejoindre le 2 octobre, ce sera au 8 rue Serpente, 94 500 Champigny-sur-Marne. Je répète pour ceux qui notent, 8 rue Serpente, 94 500 Champigny-sur-Marne. Alors comme vous le savez, nous l'annonçons également depuis un certain moment, le prophète reçoit tous les mercredis et tous les samedis également. Donc pour ceux qui souhaitent être reçus par l'homme de Dieu, il faut appeler le numéro du secrétariat au 07 56 82 74 25. Je répète pour ceux qui nous ont pris en cours de route, c'est le 07 56 82 74 25. 07 56 82 74 25. Est-ce que tout le monde a pu noter? Est-ce qu'on peut juste me faire un signe de la main? Ok, gloire à Dieu. Alors nous allons prendre rapidement la parole de Dieu. Nous allons passer dans un moment que j'aime beaucoup. C'est le moment des offrandes. Et j'aimerais exhorter, juste avant, de vous demander de semer dans la présence de Dieu. Alors nous allons prendre rapidement, en 2-3 minutes, Marc 12, à partir du verset 41. Pour ceux qui sont encore assis, si on pourrait se lever pour honorer les Écritures. Marc 12, verset 41, jusqu'au verset 44. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, il y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, de tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, lorsque je lis ce passage, je retiens deux choses. Je vois que cette femme dont nous parle la parole de Dieu avait deux complications, avait deux difficultés. En plus d'être pauvre, elle était veuve. Alléluia. Mais elle n'a pas regardé à tout ce qui se passait autour d'elle. Elle n'a pas regardé à sa situation. Vous savez, par moments, lorsqu'on nous dit de venir semer, on se dit, mais est-ce que j'aurai encore assez pour manger demain? Est-ce que j'aurai encore assez pour payer le loyer? Est-ce que j'aurai encore assez pour m'occuper de mes enfants? Mais je crois que notre lendemain ne nous appartient pas, mais appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et cette femme n'a pas regardé à son aspect de pauvreté. Elle n'a pas regardé à ce qu'elle n'avait plus de mari. Non, ce n'était pas son problème. Mais son problème était de venir réjouir le cœur de son Dieu. Exactement. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre ce que tu as, ce que tu appelles comme nécessaire, ce qui va te servir peut-être à même payer ton loyer, ce qui va te servir à t'occuper de tes enfants, que tu puisses prendre cette semence et venir semer. Et je crois que la Bible me dit quelque chose de très intéressant. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Alors je ne sais pas quel pain tu vas jeter ce soir, mais ce que je sais, c'est qu'avec le temps, le Seigneur te rendra cela au centuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses prendre ton offrande. Come on. Pour toi qui me suis en live, il y a tous les liens qui sont en train de passer. Il y a également le PayPal qui est là. Tu vas prendre ton offrande et tu vas la lever vers le ciel. Est-ce que tu peux commencer à prier sur cette offrande? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Je sens l'onction de Dieu. Là où ta voix ne peut pas parler, ton offrande va parler à ta place. Là où tes forces ne peuvent plus parler, ne peuvent plus crier, ton offrande criera à ta place. Ah, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Père éternel Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants au devant de toi. Ils ont pris ce qu'ils appellent le nécessaire pour venir semer dans ta présence. Père, que tu puisses leur redonner cela au centuple.
Je prie que ce qu'ils ont semé aujourd'hui, ils puissent récolter cela avant de sortir de cet endroit. Yes. Pour ceux qui nous suivent en direct, que cela puisse les localiser également et qu'ils puissent venir témoigner que tu es le Dieu qui pourvoit. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, et nous te disons merci. Est-ce que tu peux puissamment acclamer pour la présence de Dieu? Yes. Je vais parler d'acclamation, s'il te plaît. Est-ce que tu peux puissamment acclamer pour la parole de Dieu? Alors avant que notre Père puisse venir prendre la parole, je vais demander au pasteur Steve d'approcher. Pour toi qui es en direct, tu vas continuer encore à partager ce live parce que je crois que quelque chose de fort va se passer ce soir, quelque chose de puissant. Invite tous tes amis, même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ceux qui doutaient encore de Dieu. Je crois que ce soir, le Seigneur va visiter plusieurs maisons et plusieurs familles. Est-ce que tu peux encore acclamer pendant que l'homme de Dieu est en train d'approcher ? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort ce soir ? On peut encore faire mieux, on peut faire mieux que ça. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu as répété après moi tout ce qu'il faut savoir sur les faux prophètes. Une seconde fois, est-ce qu'on peut encore le dire? Tout ce qu'il faut savoir sur les faux prophètes. Bien-aimé, dimanche dernier, nous avons débuté un exposé avec notre Père ici. Toutefois, c'est lui qui a débuté cet exposé. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons conclure quelque chose d'extraordinaire. Et bien-aimé, tu as choisi la bonne part en te retrouvant ici aujourd'hui. Je sais combien de bouchons, je sais combien d'obstacles est-ce que tu as bravé pour pouvoir te retrouver ici aujourd'hui. Mais tu as choisi la bonne part. Dis à quelqu'un, j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi le bon endroit. Cette adresse est l'adresse indiquée pour toi qui es connecté en ce moment sur YouTube. Peu importe la ville dans laquelle tu te trouves, c'est encore possible que tu nous retrouves ici avant que papa ne commence à parler. Mais ce sont des choses mystérieuses. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais nous avons espéré écouter ce genre de choses. Est-ce qu'on peut encore clamer pour notre Père spirituel ce soir? Alléluia. Bien-aimé, très souvent, des moments comme ceci, notre corps est disposé, mais notre esprit est ailleurs. C'est pourquoi tu te dois en ce moment de conditionner non seulement ton esprit, ton corps et ton âme afin que tout soit ensemble. Si les trois sont d'accord, alors l'esprit déposera sur toi l'enseignement dont c'est tu as clair. Besoin ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur, je prie que tu me donnes la capacité d'être concentré ce soir. Commence à prier, acclame le Seigneur pendant que tu pries. Bébé, commence à battre les mains pendant que tu pries. Bats les mains pendant que tu pries. Bats les mains pendant que tu pries. Père, je ne peux pas passer à côté de ce message. Je ne peux pas passer à côté de cet instant. Cet instant est ton instant, oh mon Dieu. C'est l'heure que tu as choisi pour me visiter. C'est l'heure que tu as choisi pour me donner la bonne parole, pour me donner la bonne nourriture. Seigneur, nous sommes rassemblés en ce lieu pour recevoir ce que tu as prévu pour nous en cette journée. Notre Dieu, notre roi, nous ne passons pas à côté. Permets que mon âme et mon esprit, oh mon Dieu, mon corps, soient un, afin que tu te passes ce que tu m'as préservé ce soir, me soit accordé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes sur un territoire où nous sommes combattus. Mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, commence à dire, je combats dans la victoire. Je combats dans la victoire. Et ce soir, rien ne m'empêchera de recevoir ce que je dois recevoir. Amen. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Prie dans ce sens. Rien ne m'empêchera de recevoir ce que je dois recevoir. Corabo chene di akasa, la kunda kende lebo shabra, l'urakasa boya kinda kanda loka sabra. Père éternel, rien ne m'empêchera de recevoir ce que je dois recevoir ce soir. Alors que tu envoies ton doigt, alors que tu envoies ton oracle ce soir, je suis disposé. Mon corps est disposé. L'atmosphère est disposée. Le lieu est disposé. Les lumières sont disposées. Père, les oreilles sont disposées. Les caméras sont disposées. Afin que ce que je recevrai aussi soit la part de mes frères et mes soeurs. Père, je te dis merci. Je te dis merci. Bien-aimé. Bien-aimés, nous avons nos frères et nos soeurs qui sont connectés aussi à ce moment.
Alléluia. Est-ce que tu peux prier afin que ce qu'ils vont recevoir soit aussi fluide comme ce que nous allons recevoir ce soir? Commence à prier pour tes frères, pour tes soeurs qui sont connectés de par le monde entier. Commence à prier pour eux. Et toi aussi qui es connecté, prie pour nous qui sommes ici. Nous sommes dans la prière. Ô Saint-Esprit de Dieu, Père mon Dieu, mon roi, qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas de différence entre ce que nous recevons ici, éternel, et ce qu'on reçoit ailleurs. Notre Dieu, notre roi, que les mots soient semblables à ce que nous recevons ici. Que les paroles, oh mon Dieu, soient identiques à ce que nous recevons ici. Que l'esprit qui agit ici, éternel, agisse aussi au loin. Père, alors que les continents sont rassemblés en ce moment, notre Dieu, notre roi, tu agis en Europe, tu agis en Asie, tu agis en Amérique, tu agis en Afrique. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé. Bien-aimé. On va acclamer d'une fois. Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Maintenant, acclame pour toi-même. J'ai envie de jauger quelque chose. J'ai envie de jauger quelque chose. L'acclamation que tu peux donner à ta propre personne, celle que tu peux donner à Dieu et celle que tu peux donner même à tes frères qui ne sont pas ici. Alléluia. Alors que tu acclames pour toi, je veux que tu fasses la différence entre ton acclamation et celle que tu donnes à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Acclamons le Saint-Esprit qui est parmi nous. Sous ces acclamations, bien-aimés, sous ces acclamations, bien-aimés, nous allons annoncer l'oracle de l'Éternel. Nous allons annoncer notre Père qui vient avec un message révolutionnaire, qui vient avec des mots, qui vient avec des paroles, qui vient avec l'onction. Alors que tu acclames, bien-aimé, j'introduis ici mon Père spirituel, le prophète Joël Francis. T'as tous une acclamation, s'il vous plaît. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons déclarer que Jésus est Seigneur. Vous savez, le but du prophétique, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Dans le livre de Révélation de Jean, il est écrit, car le témoignage de Jésus, c'est cela l'esprit de la prophétie. Nous allons élever Jésus-Christ. C'est une coutume à la porte des cieux de le dire, la main droite levée en déclarant sa seigneurie sur tous les plans d'existence. Lorsqu'on parle des cieux, on ne parle pas que du ciel que l'on voit. On parle aussi de la dimension spirituelle dans les lieux célestes. Quand on parle de la terre, on parle de ce qui se passe ici, là où tout se meut. Quand on parle de sous la terre, on parle du monde des morts, du séjour des morts. Quand on parle de la mer, on parle de beaucoup d'autres mondes qu'il y a sous la mer. Bref, nous déclarons que Jésus-Christ et Seigneur, dites avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Jésus-Christ est Seigneur. Plus fort dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, dans ma famille, dans mon corps, dans mon sang, dans mon ADN. Jésus-Christ et Seigneur, je le crois dans mon cœur et le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Une offrande d'acclamation pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons aussi en même temps, avant que l'on acclame, bonsoir à tout le monde, qui, vous qui êtes connectés de partout. Nous sommes au studio, nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes, bon, l'église en d'autres termes, nous ne sommes pas encore dans le lieu parce que c'est le 2 octobre, n'est-ce pas? Mais nous sommes encore, nous avons réservé les places pour être dans ce cadre très très limité en place pour suivre ce culte avec vous en live, en direct. Vous êtes en France, vous êtes certainement resté à la maison, vous êtes à Paris, vous êtes à l'intérieur, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, vous êtes au Moyen-Orient, en Asie, vous êtes en Afrique, où que vous soyez en tout cas. En Australie, nous sommes très contents de vous savoir déjà connectés et nous comptons sur vous pour partager ce direct afin que plusieurs
plusieurs hommes et femmes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs familles puissent être bénis et édifiés par ce dernier. Alors on va les acclamer très fort. Soyez bénis. Bienvenue à la porte des cieux. Bienvenue, bienvenue à la porte des cieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ceux qui sont ici. On peut se saluer mutuellement. Dites une bonne parole à votre frère, votre soeur. C'est la dernière semaine de septembre. C'est la dernière semaine de septembre et nous croyons que cet homme et cette femme ne doivent pas finir ce mois de septembre comme il a commencé. C'est le 9e mois, le chiffre 9 pour nous, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de l'accouchement. La femme accouche 9 mois plus tard. Dites amen bien. Ma prière est que quelqu'un finisse ce mois avec l'accouchement de ses promesses, l'accouchement de ses projets. Que tout ce que tu avais en toi qui était caché, mais vu à l'extérieur, puisse maintenant sortir. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et au cas où tu te débats encore avec ce projet, je parle comme la sage-femme en te disant pousse. Ah, je dis à quelqu'un, pousse dans la prière ce soir, pousse dans le jeûne, pousse dans les déclarations, pousse avec ton amen. Dis amen bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de vous mettre dans la présence de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Soyez les bienvenus à la porte des cieux. Et nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que déjà, pour la toute première fois sur Paris, nous aurons Église Porte des Cieux. Ça, c'est la version virtuelle uniquement. C'est l'église en ligne. Mais nous aurons maintenant, dorénavant, la version en présentiel le dimanche 2 octobre. Déjà demain, les avant-midi, vous aurez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux qui sont attachés à notre ministère, tous les détails, le thème, le programme, ça va être fort. Et en tout cas, je voulais faire simple, mais Dieu m'a dit, tu ne feras pas simple. En tout cas, il m'a donné un thème que je vais prêcher ce 2 octobre. En tout cas, je me suis dit, Seigneur, c'est un film ou bien c'est la prédication? Il m'a dit, c'est la prédication. Donc, voici le thème. Est-ce que je peux? Allez, vas-y. Oh, est-ce que je peux? Vas-y. Le thème est celui-ci. Les dieux, les balances et le monde spirituel. Wouh! Tu n'as pas acclamé. Ça va être chaud. Ça va être fort. Ça va être chaud. Et nous nous attendons à Dieu pour des grandes choses. En tout cas, les révélations qui vont sortir de ce message... Et j'aimerais même le dire, depuis que je viens à Paris pour les programmes, je ne pense pas avoir travaillé. J'essaie un peu de capter l'atmosphère. L'atmosphère est très saturée à Paris. Comme on enseignait mercredi, pour ceux qui ont suivi le message sur les astres, Paris est un grand temple. Paris, c'est un grand sanctuaire. Il y a des marques, des hôtels partout. Et à part Londres, je crois Paris peuvent être les deux villes les plus saturées spirituellement de l'Europe. Il y a plusieurs autres villes, mais... Paris et Londres sont parmi les principales deux villes vraiment où il y a une forte activité spirituelle. Mais béni soit le Dieu des prophètes parce que ce dimanche, nous allons travailler. En tout cas, je ne me suis jamais déployé comme je le ferai ce dimanche. Et je crois que vous allez être là avec votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Ne ratez pas la belle opportunité d'adorer, de louer le Seigneur avec nous. Qui sait si ce sera demain votre église locale, mais dans tous les cas, vous n'êtes que nos invités. Mais notre souhait, c'est de vous voir ce dimanche et les dimanches qui vont suivre. Pourquoi pas demain vous voir aussi servir, modérer, chanter, faire le protocole, prêcher, être à la table avec ceux des médias. Peu importe ce que vous avez reçu de la part de Dieu, vous pourrez aussi les mettre à disposition de l'avancement de cette vision. Et j'aimerais le dire moi avec toute humilité. J'ai appris à affronter la vie avec beaucoup d'humilité, mais j'ai appris à affronter la vie avec beaucoup de foi. Et beaucoup de foi. On peut avoir des grandes ambitions, mais avec Dieu dans la foi. Et je crois que la porte des cieux va apporter quelque chose, va ouvrir les cieux à une certaine dimension ici en France. Oh yes. Et bénis soient tous ceux et toutes celles qui vont faire partie de cette église comme membres. Acclamez déjà ici parce que vous êtes déjà là. Et amen. Il n'y a pas de meilleure église locale, il n'y a pas d'église qui dépasse une autre, mais chaque église est la meilleure lorsque chaque membre se retrouve vraiment à sa place et le leadership travaille et tous ceux qui sont là travaillent pour l'accomplissement de la volonté spécifique que Dieu a donnée à cette église. Dès que cela c'est le cas, c'est la meilleure des églises. Et nous avons la meilleure des églises. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer un moment de la parole de Dieu. Et
je crois que ce soir, Dieu va nous parler. J'aimerais vraiment que tous ceux qui sont connectés, si vous pouvez taguer toute personne que vous connaissez qui est, bon, tous vos contacts, et surtout, surtout, tous ceux qui sont appelés et qui exercent, qui sont appelés, qui n'ont pas encore exercé ou qui exercent déjà des capacités prémonitoires ou bien de révélation, soit dans les songes, les visions, d'autres prophétisent, d'autres prophétisaient. Mais vraiment, je suis convaincu que vous devez écouter ce message. En tout cas, je vais le dire parce que c'est des choses que je ne dis pas toujours. J'en ai parlé un peu quand je parlais sur le don du discernement des esprits lors de la période de la Pentecôte à la Porte des Cieux à Kinshasa. Beaucoup de gens ont suivi, mais j'irai un peu plus en profondeur parce que c'est un peu maintenant du domaine du ministère prophétique. Amen. Et si ça ne vous dérange pas, nous allons tous être debout pour lire la parole de ce soir. Oh yes. Si la technique est en accord avec nous, nous allons lire quelques textes ce soir. Nous allons lire Marc 13, verset 22. Évangile de Marc, et vous savez, Marc n'était pas disciple de Jésus-Christ. Marc était disciple de Pierre, il a été aussi disciple de Paul. Il a été PA, personal assistant de Pierre. Il n'y a que dans les quatre évangiles, deux qui n'ont pas été disciples de Jésus. Luc était disciple de Paul. Il a écrit l'évangile qui porte son nom, mais aussi les actes des apôtres. Et nous avons aussi Marc, qui n'était pas disciple direct de Jésus. Donc, ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Et Marc dit ceci, son évangile est orienté vers les gentils, les païens, les romains en particulier. Nous lisons Marc 13, verset 22. Il est écrit ceci, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Jérémie 23, verset 16 à 18 et verset 21 à 34. « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, comment? Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Donc ne peut prophétiser que celui qui sied au conseil de Dieu. Ma prière ce soir est que quelqu'un monte et ait un siège, une place. Je veux encore le président du Kenya qui parlait pour qu'on puisse étendre le conseil de sécurité aux Nations Unies, aussi pour les pays africains. Je décrète et déclare, tu auras aussi un siège dans le conseil de sécurité. Oh, yes. Et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas un Dieu de près qui dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dit l'Éternel, j'ai entendu ce qu'ils disent. Ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Texte suivant. Y a-t-il un autre? C'est fini? Alléluia. Faites attention aux faux prophètes. Ok, on va nous donner le troisième texte, je pense. Bien, c'est fini.
Il y en a? D'accord, j'attends. Change de voisin, dis voisin. Fais attention aux faux prophètes. Aux faux prophètes. Change de voisin, dis voisin. S'il te plaît, les temps sont mauvais. Fais attention aux faux prophètes. On va lire Ézéchiel chapitre 13, verset 2. Ézéchiel 13, verset 2. Ézéchiel 13, verset 2. Il est écrit, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent et qui disent à ceux qui prophétisent, et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Je vous propose deux ou trois autres versions. La version nouvelle, version internationale, dit ceci, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui sont en train de prophétiser, dit à ceux qui prophétisent de leur propre imagination, écoutez la parole de l'Éternel. Une autre version dit, homme mortel, dit-il, dénonce les prophètes d'Israël qui inventent leur propre prophétie. Dis-leur d'écouter la parole de l'Éternel. Nouvelle Bible américaine dit, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, prophétise. Dis à ceux qui prophétisent leur propre pensée, écoutez la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, veuillez vous mettre dans la présence de Dieu. Amen. Et si ça ne vous dérange pas, on peut acclamer pour la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Tout ce qu'il faut savoir sur les faux prophètes, deuxième et dernière partie. Amen. Je ne ferai pas un résumé de ce qui a été dit la dernière fois. Je vous recommande plutôt de suivre le direct qui est encore, le message qui est encore en ligne sur notre chaîne YouTube. Amen. J'irai directement en parlant du message de ce soir. Nous parlons sur tout ce que vous devez savoir sur les faux prophètes. Amen. Et en parlant de ce qui est vrai et de ce qui est faux, j'ai dit beaucoup de choses à ce sujet. Et j'aimerais juste tirer un seul élément que j'ai eu à dire dimanche dernier. C'est que le faux est la preuve que le vrai existe. Exactement. Le faux est le vrai manipulé, dérouté, dénaturé, pour d'autres objectifs que les objectifs assignés à ce qui est vrai. Et s'il y a le vrai, il y a le faux. S'il y a le vrai billet d'euro, il y a le faux billet d'euro. S'il y a les ténèbres, il y a la lumière. S'il y a la nature pécheresse, il y a aussi la nature divine. S'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a le yin, il y a le yang. S'il y a le mâle, il y a la femelle. S'il y a les ténèbres, il y a la lumière. L'apôtre Paul, dans plusieurs de ses épîtres au Nouveau Testament, il souligne aussi certaines personnes exerçant un ministère en les qualifiant de faux. Vous allez voir dans 2 Corinthiens 11, verset 13, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Donc autant il y a des vrais apôtres, autant aussi l'apôtre Paul dit, il y a des faux apôtres. J'aimerais dire ici, généralement on aime toujours dire, il y a des faux prophètes, mais aussi des faux apôtres. Il y a aussi des faux pasteurs. Il y a aussi des faux docteurs. Il y a aussi de faux évangélistes. Donc autant qu'il y a cinq vrais ministères qu'on appelle les dons de Christ, dans Éphésiens 4, verset 9 à 11, on dit, il a donné d'être les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Les cinq ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc si Christ a donné de vrais apôtres, il y a aussi de faux apôtres. Parce qu'un homme a dit, c'est un réformateur, il a dit, là où Dieu construit une cathédrale, le diable érige une chapelle. Parce que le diable est le singe de Dieu. Le diable imite ce que Dieu fait. Et s'il y a cinq vrais ministères, il y a aussi cinq faux ministères. S'il y a de vrais prophètes, il y a de faux prophètes. S'il y a de vrais pasteurs, il y a aussi de faux pasteurs. Alléluia. Et vous allez voir, dans le plan de Dieu actuellement, Dieu permet et donne une mission aux vrais de détruire les faux. Parce que nous retournons au Mont Carmel,
où les faux prophètes vont faire face à un vrai prophète. Comment? Où les faux prophètes, 400 de Baal, 450 d'Astarté, seront tous égorgés par un vrai prophète. Je crois que la mission des vrais prophètes, c'est aussi d'amener les faux prophètes à aller au chômage. Exactement. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux gens, si vous ne croyez pas, si vous dites que ça c'est un faux miracle, montrez un vrai miracle. Si vous dites que ces gens-là inventent des prophéties, cherchez la vraie prophétie. Et la seule manière de mettre de côté la fausse monnaie, c'est de mettre en grande partie sur le marché la vraie monnaie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où le Saint-Esprit veut faire briller tellement les vrais que les faux ne pourront pas le choix que de disparaître et de manquer de clients. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Avec le scandale qu'il y a eu dans la famille Pogba avec Mbappé et tout ce qu'on a vu autour des marabouts, je me suis dit dans mon cœur, je disais à quelqu'un, il est plus que temps maintenant. Regardez, les marabouts sont passés sur TV5, sur France 24, sur France 2. On parle de comment est-ce qu'ils procèdent pour aider les gens, aider leurs clients. J'ai dit, le temps est venu où nous allons passer sur ces chaînes. Parce que ces hommes et ces femmes vont manquer de clients. Parce que ce que Dieu fait doit être plus grand que ce que ces gens-là font. La Bible déclare que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ne me servent pas. Nous parlons généralement de l'ivraie et du bon grain, les deux qui croissaient et qui se ressemblaient. Mais j'aimerais vous dire que le bon grain était l'aîné de l'ivraie. Pourquoi? Parce que le bon grain était semé avant et l'ivraie était semé après. Nous sommes les grands frères de ces gens, mes frères. Ah, Tosabaya, on dit en lingala, nous sommes leurs aînés. Il est temps maintenant de démontrer que ce que nous avons est plus âgé. Amen. Tu n'as pas entendu. Ce que nous avons est plus âgé. Ce que nous avons est plus âgé. La dimension que nous avons est plus âgée. La connaissance que nous avons est plus âgée que ce que ces gens-là sont venus infiltrer parmi nous. Et autant dans le Nouveau Testament, on parle de cinq ministères, autant que dans l'Ancien Testament, lorsque Josué, dans son onction finitive pour achever la mission de Moïse, Josué avait été appelé à faire tomber cinq rois. Dites avec moi cinq. Autant il y a cinq ministères, il y a aussi cinq rois dans l'Ancien Testament. Et ces cinq rois étaient les ennemis des enfants d'Israël lors de la conquête. Je me dis à quelqu'un, il y a aussi cinq faux ministères. Mais je vois l'onction de chaussures dans la salle, l'onction de chaussures dans la francophonie, des hommes et des femmes qui ont l'onction de la conquête, qui vont prendre des territoires, prendre des nations et qui vont égorger et annuler le pouvoir de ces rois en Israël. Dis amen bien. Amen. Josué 10, 23, Josué 10, 26. On parle du roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, le roi de Lachi, le roi d'Églon. Tous ces rois ont été tués, ont été brisés, ont été paralysés par le pouvoir de Dieu au travers de son serviteur Josué. Et je crois que le temps est arrivé où on doit donner un carton rouge aux faux prophètes. On doit donner un carton rouge aux faux pasteurs et aux faux docteurs. Voilà pourquoi on ne peut plus se taire. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise contre les prophètes là qui prophétisent des mensonges. Ah, c'est la guerre. Dis avec moi, c'est la guerre. Autel contre autel, parole contre parole, sacrifice contre sacrifice, prophète contre prophète. Et ces hommes, et les gens doivent voir que Dieu est capable de parler avec plus de précision que ces hommes-là. Que Dieu est capable d'apporter des résultats plus qu'avec leur pratique de la sorcellerie. Dites amen bien. Il y a des faux apôtres aussi, autant qu'il y a des faux prophètes. Matthieu 7, verset 15. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je prie que les vrais prophètes se lèvent. Que les vrais prophétesses se lèvent. Je dis que les vrais prophétesses se lèvent. L'apôtre Paul dit aussi qu'il existe des faux ouvriers, n'est-ce pas? Et autant qu'il y a des vrais ouvriers dans le champ, il y a aussi de faux ouvriers. 2 Corinthiens 11, verset 13, que nous avons lu. Il parle aussi dans 2 Corinthiens 11, verset 26, il parle des faux frères. Dans son verset 26, il dit, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Autant qu'il y a des vrais frères, il y a aussi de faux frères. Ma prière, que Dieu te dépanne des faux sœurs et des faux frères. Et que Dieu te donne le discernement, le flair. Je dis le flair, peu importe l'apparence religieuse que la personne a, que tu aies le flair de te dire, il est beau, elle est belle, il est très humble, il a de la prestance, mais il y a quelque chose en moi
qui ne colle pas avec elle, qui ne colle pas avec lui. Que l'Esprit témoigne en toi que cette personne n'est pas un enfant de Dieu ou n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Dites amen bien. Amen. Philippiens 3, verset 2, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul parle aussi de faux circoncis. Des faux circoncis, faux circoncis. Il y a de vrais circoncis, mais aussi de faux circoncis. En grec, c'est pseudo. Dis avec moi pseudo. Pseudo, pseudo, pseudo. C'est aussi en grec, quand on parle de pseudo-prophète, pseudo-pasteur veut dire faux, faux, faux. 1 Timothée 4, verset 2, l'apôtre Paul dit, il y a des faux docteurs. Il dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Autant il y a de faux apôtres, de faux prophètes, il y a aussi de faux docteurs. De Pierre 2, verset 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, mais et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. J'aimerais le dire haut et fort, excusez-moi, ce n'est pas entré dans la polémique, mais je voyais un pasteur qui prêchait et il est branhamiste et il disait, moi j'aime Branham plus que Jésus. Et il dit, mais si vous ne... parce que la Bible déclare, si quelqu'un, même si tu n'aimes pas Dieu, mais tu peux aimer celui que Dieu a envoyé, ça n'existe pas. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Tu ne peux pas dire que tu aimes un prophète plus que Jésus. Et ça, ce sont des sectes pernicieuses. C'est Jésus, le chemin, la vie et la vérité. C'est ni Branham, ni Kimbang, ni qui que ce soit qui aurait vécu à l'époque ou jusqu'à nos jours. Et faites attention parce que les hommes créent de faux Christ aujourd'hui. Et ce qui me fait mal, c'est que les faux Christ ne sont pas toujours les vivants. Les faux Christ sont aussi des oints, des Christ, des oints que Dieu avait utilisés à une époque. Et lorsqu'ils sont morts, des hommes se sont levés. Ils ont été tellement touchés par leur ministère et ils ont dit, à leur nom, on rajoutera un isme. Et on a créé le branhamisme, le kimbangisme. On crée des légendes, on crée même des mensonges autour de cela. Et cette personne devient un Christ, devient un Christ, devient le Christ. Il devient le sauveur au point où, si vous ne croyez pas en lui, vous n'aurez pas de salut. Il n'y a qu'un seul Dieu, dit la Bible. Et il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est ni Marie, ni Joël Francis, ni un bishop, ni un archibishop, ni Kimbang, ni Branham. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. On dit amen très fort. Et Jésus-Christ disait à l'époque, il disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sinon par moi. Je me pose la question, pourquoi Jésus a fait une erreur de français comme ça? Lui et le Père ne sont pas la même personne. Pourquoi il n'a pas dit nul ne va au Père sans passer par moi? Mais il dit nul ne vient au Père. Parce qu'il a dit celui qui m'a vu a... celui qui m'a vu a vu mon Père. Frère, il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de salut dans le New Age, dans les sciences ésotériques. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et le salut en Jésus est basé sur la connaissance. Jésus a dit, mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai, 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 vrai. Il y a des faux dieux. Lui, il est le vrai Dieu. Même la vie éternelle est basée sur ce qui est contraire au faux. Ma prière, que Dieu t'épargne du faux. Des faux rêves, des fausses visions, des fausses prophéties, des faux amis, des faux mentors, des faux pères spirituels, des fausses églises, des fausses doctrines. Que Dieu te parle des faux et qui t'affermisse dans le vrai et le véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Yes. Amen. Alors, j'aimerais aller directement vous parlant de qui est un faux prophète. J'irai sur le plan de la définition biblique, mais aussi j'irai sur le plan de l'extension de l'extension de cette expression. Donc on parle de faux prophète dans la Bible, on caractérise un faux prophète selon certains signes que l'on retrouve dans la Bible, mais par extension on peut aussi dire un faux prophète, ce que je présenterai ici. Amen. Alors qui est un faux prophète? Regarde ton voisin, regarde tous les voisins, dis à tous les voisins autour de toi, dis voisin, qui est un faux prophète? On vous a dit ce qu'un faux prophète n'est pas, n'est-ce pas? Maintenant, on vous dira ce qu'un faux prophète est. Notez avec moi. Ce qu'un faux prophète est, par définition et par extension de sa définition. Première définition, ce qu'un faux prophète est. Un faux prophète est d'abord celui qui n'a jamais eu un appel au ministère prophétique, mais qui l'exerce. Exactement.
que tu sois, même si tu es un vrai chrétien, même si tu crains Dieu, même si tu es un vrai serviteur de Dieu, quand Dieu ne t'a pas appelé au ministère prophétique et que tu te présentes comme tel, te faisant appeler par autoproclamation prophète et en confirmant à tous que tu es prophète ou en ayant été ordonné prophète sans être prophète, tu es un faux prophète. Parce que le ciel ne te connaît pas, le ciel ne valide pas ton appel, le ciel ne t'a pas oint pour cela, le ciel ne t'a pas donné les anges pour cela, le ciel ne t'a pas donné les frais de mission pour cela. Qui est faux prophète? Un faux prophète est d'abord celui qui exerce le ministère de prophète, mais qui n'est pas un prophète de ministère. Il est un faux prophète. L'apôtre Paul de Acte 9 a été appelé. Lorsqu'il tombe à terre, il voit le Seigneur, la lumière est là, il devient aveugle. L'apôtre Paul pose à Jésus deux questions. Il dit, qui es-tu Seigneur? L'apôtre Paul dit, qui es-tu Seigneur? Le ministère commence avec la révélation de Dieu, pas celle de ta personne. Parce que c'est quand tu connais Dieu qu'il t'aide à te connaître toi. Exactement. Oh, tu n'as pas dit amen. Plus tu t'approches de Dieu, Dieu est comme un miroir. C'est plus tu t'approches de lui que tu te vois tel que tu es. Voilà pourquoi Jésus a dit, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Les uns disent tu es Jérémie, les autres Jean le Baptiste, les autres que tu es Élie. Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et ils disent, Pierre dit non, tu es le fils de Dieu vivant, tu es le Christ. Jésus dit, ah, puisque tu as la révélation de qui je suis, je te donnerai la révélation de qui tu es. Tu es exactement. Pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon église. D'ailleurs, les portes de ces jours démons ne pourront pas contre elles. D'ailleurs, je te donne les clés du royaume. Mes frères et sœurs, c'est quand tu connais Dieu que tu te connaîtras toi-même. Parce que ta vraie révélation se trouve dans la révélation de Dieu. Exactement, exactement. Come on. Voilà pourquoi Paul a dit, Seigneur, qui es-tu? D'abord, qui es-tu? C'est pas qui suis-je, qui es-tu? Le plus important, c'est toi. C'est toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est toi qui es la base de tout. Après, Paul dit, que veux-tu que je fasse? Que veux volonté? Que veux-tu que je fasse? Je ne ferai que ce que tu veux. Si tu ne veux pas, je ne ferai pas. Si tu veux, quel que soit le prix à payer, je le ferai. Parce que faire pour moi, c'est faire ta volonté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. Toute œuvre de Dieu est de Dieu, mais toute œuvre de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu. Beaucoup de gens entrent dans la maison de Dieu, dans le champ de Dieu, voulant se rendre tellement utile avec un extrême de disponibilité, en regardant une grâce ici, en regardant une faveur là-bas, en se disant, non, moi aussi maintenant je veux ça, je suis maintenant prophète. Et on ne t'a jamais appelé à être prophète, mais tu es prophète et prophétesse sur internet, prophète des nations, prophète à l'église, prophétesse ici, prophétesse là-bas. Laissez-moi vous dire, même si Dieu t'a déjà appelé, tu dois laisser les autorités spirituelles valider ton appel. Hein? L'apôtre Paul a vu Jésus, mais l'apôtre Paul a été envoyé chez Anania. Pourquoi? Parce que l'homme est la méthode de Dieu. Dieu passe par l'homme pour toucher l'homme, il passe par l'homme pour encourager l'homme. Le Fils de Dieu lui-même appelé par Dieu loin depuis le ciel, quand l'huile était sur lui, qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsqu'il venait, son prédécesseur a dit, voici la... Qui est cet homme qui est venu avant toi qui peut dire, voici celle-ci, voici celui-là, qui peut attester au monde qui tu es? On m'a déjà appelé. Tu connais mon alliance devant Dieu, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Paul a été appelé, mais Anania a prié pour lui. Paul a été appelé, mais dans Acte 13, quelques chapitres après, le presbytère s'est mis ensemble, ils ont prié et ils ont entendu l'Esprit parler sur Paul. Ils ont imposé les mains et ils l'ont laissé partir. Qui t'a laissé partir? On ne part pas d'une église, on te laisse partir. On ne part pas pour commencer l'église, on te laisse partir. On doit prier pour toi et te laisser partir. Dis à ton voisin, parce qu'on t'a laissé partir. Oh non, moi je sors comme je veux. Moi je pars, Dieu m'a déjà parlé. On étouffe ma grâce, je vais commencer mon ministère, commencer mon église. Je ne nie pas qu'il y a aussi des pasteurs qui sont des mercenaires et des sorciers. Amen, amen. Je ne nie pas cela. Mais j'aimerais seulement dire que beaucoup par un excès de zèle se sont autoproclamés prophètes sans être prophètes. C'est clair.
Laisse-moi te dire, Jésus a dit dans Hébreux, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus parle en tant qu'esprit, il est auprès du Père, il dit, voilà, maintenant tu me donnes un corps, je viens sur la terre pour faire ta volonté. Tu n'as pas un corps pour pécher, tu n'as pas un corps pour t'habiller, pour te coiffer, pour te parfumer. Tu as un corps pour faire la volonté de Dieu. Ce corps a été formé dans le ventre de ta mère. Tu es sorti de ce ventre 9 mois plus tard. Et tu mourras un jour, on mettra ce corps 6 pieds sous terre. Et tant que ton esprit est dans ce corps mortel, tu dois vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, Philippiens 1 verset 1, Galates 1 verset 1, 1 Corinthiens 1 verset 1, Éphésiens 1 verset 1 ou verset 2, tous ces épîtres, il disait toujours, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu. Donc ce n'était pas prétentieux, mais je suis apôtre selon la volonté de Dieu. Tu es prophète selon la volonté de qui? Tu es faux prophète. Tu es faux prophète, tu n'es pas vrai prophète. Et je voudrais dire à quelqu'un, n'enviez pas certains ministères parce qu'ils attirent les membres, ils attirent les projecteurs. Croyez-moi, il n'y a pas que les projecteurs des réseaux sociaux qui sont attirés sur cet homme ou de la vie, mais le monde spirituel, le monde marin, le monde des montagnes, le monde spirituel des forêts va aussi mettre les lumières sur toi. Sois sûr que lorsque tu invoques, bien tu appelles, ou bien tu joues au lion, sois sûr que tu es un lion et que tu n'es pas un chat qui a un micro et des baffes en train de miauler. Tu es peut-être un chat, tu miaules, tout le monde croit que tu as rugi, parce que quand tu prétends rugir alors que tu miaules, les lions viendront. Ouais, tu auras les combats des prophètes. Il y a des esprits qui ne combattent que les prophètes qui viendront. Et tu sais, la protection est aussi attachée à l'onction. Il est écrit, ah, je n'ai pas avancé. Est-ce que je n'ai pas avancé? On dit, ne touchez pas à mes oints. En d'autres termes, ne touchez pas à ceux sur qui j'ai mis l'onction. Mais l'onction n'est jamais mise sur la tête de quelqu'un pour rien. On met l'onction après avoir établi la fonction. Voilà pourquoi Jésus a dit, Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc, parce que j'ai une fonction, j'ai l'onction pour ça. Maintenant, l'onction protège. Parce que la fonction protège. En fait, l'onction dans la fonction te protège. Tant que tu es dans la fonction, l'onction te protège. Parce que Dieu protège l'investissement qu'on appelle l'onction. Maintenant, si tu n'as pas été appelé à cette fonction et que tu n'en as pas l'onction, qui te protège? C'est clair. Vous voyez des hommes de Dieu qui ont des combats tous les jours. Parce qu'on les a ordonnés dans un ministère auquel ils n'ont jamais été appelés. Tu m'avais dit un jour, et je le répète encore cette fois-ci ici à Paris, la plupart des ordinations qu'on a dans nos églises, Dieu n'est même pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Il y a la croix, il y a les toges, la liturgie et tout ce qu'on veut. On va te sacrer évêque, te sacrer archevêque, te sacrer apôtre, te sacrer prophète. Mais est-ce que c'est selon la volonté de Dieu ou c'est parce que maintenant tu veux un peu... Aujourd'hui, être évêque, c'est un peu, hein, c'est un peu maintenant un peu populaire. Hein? Est-ce que quand Jésus t'a appelé, tu avais dit, je t'appelle être évêque? Ce n'est pas mon fait. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un se battre avant des combats inutiles. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse son évêché. Soit ça, soit il n'y a rien. On appelait Pierre, frère, homme frère. On ne les appelait pas prophètes. Ils étaient hommes frères. Ce n'est pas le titre qui fait le ministère, c'est le ministère qui fait le titre. Arrêtez avec cette hydromanie inutile. Si tu as l'appel de Dieu, sois patient. Le Dieu qui t'a appelé parlera à ton leader, parlera au monde tout et tu produiras des fruits. On n'apprend pas à un chien à aboyer ni à un chat à miauler. Si tu es ce que tu es, tu le manifesteras. C'est naturellement sans être passé par une école. Dis amen très fort. Dis avance prophète bien. Avance prophète. Qui est faux prophète? C'est d'abord celui qui n'a jamais été appelé au ministère prophétique. Deuxième définition. Et faux prophète, celui qui enseigne volontairement et intentionnellement de faux enseignements pour dévier de la vérité des saintes écritures. Vous savez que le concept prophète n'est pas uniquement du domaine du charismatique. J'ai vu, j'ai entendu. Un prophète est aussi un enseignant, n'est-ce pas? C'est aussi celui qui dispense des enseignements. Faites attention,
il y a beaucoup qui enseignent de fausses doctrines, des paroles dangereuses. Et vous ne devez pas laisser vos oreilles écouter ces choses. Elles vont vous intoxiquer et vous troubler. Au début de ma foi, j'ai rencontré un homme qui était venu tout humble chez nous à la maison. Il passait, il frappe, il dit, j'ai besoin de partager la parole avec vous. Et nous, on avait la soif de la parole. Satan ne te tentera que dans le domaine de ta soif. C'est clair. Ou dans le domaine, ou dans le domaine dans lequel tu places ta foi. Oui. Quand tu as beaucoup foi au rêve, il va te tenter là. Quand tu as beaucoup de foi au prophète, c'est là qu'il va te détruire. Quand tu as beaucoup de foi au miracle, c'est là qu'il va t'avoir. Il va te tenter dans le domaine de ta faiblesse. Dis amen bien. Et on aimait les écritures, j'ai toujours aimé la parole de Dieu. Et cet homme est venu, il a commencé à nous prêcher la doctrine de l'unicité de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu là, c'est d'abord le Père. Il est devenu Jésus et il est parti. Il est devenu le Saint-Esprit. Donc ne commencez pas à nous dire ici que le Saint-Esprit et Jésus, ils sont deux personnes distinctes. C'est lui-même. C'est comme l'eau. Hein? L'eau devient gazeux quand il s'évaporise et puis devient solide. C'est de la glace. La trinité démoniaque. Parce que c'est attaché au catholicisme. Blabla. Tout ce qui vient du catholicisme n'est pas satanique. Ah, les protestants qui ont protesté sont les mêmes à remettre encore tout ce que les catholiques font. Donc, ayez du respect pour les gens qui ont commencé le travail avant vous. C'est clair. Qu'ils soient parfaits ou imparfaits, vous devez avoir du discernement. Amen. Et aussi le catholicisme, la trinité, tout ça, il a beaucoup parlé. Et bref, maintenant, même pour prier, c'était compliqué. Père, je te remercie, Jésus-Christ. Ah, Jésus-toi, Jésus. Ah, Jésus, le Père. Ah. Bon, Saint-Esprit, aide-moi. Non, non, Seigneur Jésus, c'est toi, c'est à toi que je parle, Seigneur. C'est toujours toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Et je vous ai dit, j'ai fait des mois, je n'arrivais même pas à prier. Je n'avais même pas bien présenté l'évangile. Tu sais, tant que tu n'as pas compris, par exemple, la Trinité, ça te sera difficile de prêcher. C'est clair. C'est clair. Tu ne comprendras ni le plan de la rédemption, ni l'essence du baptême, ni même l'essence de la prière. Normalement, on prie le Père au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Mais c'est deux personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais les trois sont une seule personne. Tu ne peux pas les diviser, les séparer. C'est une seule personne. Mais dans dis amen bien. Amen. Lève-toi, fils, s'il te plaît. Est-ce que tu es deux ou trois? Tu es un. On appelle chez les Hébreux, on dit Yahweh Hehad. Qui veut dire un, ok? C'est un, on ne peut pas le séparer, ok? Donc, il est là, il est esprit, à mes corps, mais il est un. Quand vous enlevez une partie de lui, c'est un cadavre. Quelqu'un me comprend? Quand dit Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, il t'a créé trinitaire comme lui. Exactement. Tu es toi, mais tu es trois en toi. Ton corps n'a pas les mêmes prérogatives que ton âme n'a pas les mêmes prérogatives que ton esprit. C'est ton clair. Ton esprit a d'autres prérogatives, ton âme aussi et ton corps aussi. Le Père a d'autres prérogatives. Le Fils a d'autres prérogatives. Et l'Esprit a d'autres prérogatives. Mais c'est toujours Dieu. Dis amen bien. Mets-toi, fils. Ça nous a tellement compliqué que même pour prier, même pour. Et un moment, et Dieu nous a dit, cet homme est dans les fausses doctrines. J'étais troublé par la doctrine. Voilà pourquoi. En quête de connaître une vérité ou une nouvelle révélation, vous vous êtes livré à des enseignements qui vous ont troublé. Et les pasteurs qui les donnent en criant, convaincus, ils ont des allures très compliquées là. Comme quelqu'un qui vient du trône de Dieu. Surtout si après avoir prêché comme ça, il a des miracles. Tu dis non, tu as certainement confirmé son message par ses miracles. Écoutez-moi, un homme de Dieu peut prêcher des erreurs, mais après il y a des miracles. Les miracles ne sont pas forcément la confirmation du message, mais c'est l'exercice d'un don spirituel. Et le don peut être exercé même si quelqu'un pêche. Hein? C'est vrai. Dis à ton voisin, fais attention aux fausses doctrines. Non, change de voisin du voisin. Garde tes oreilles. Au moment où nous on cherche de nouvelles connaissances, de nouvelles révélations, tu vas aller manger la sorcellerie comme ça. Dis avance, prophète. Troisième définition. Un faux prophète est un prophète cupide et exerçant sa fonction
pour des intérêts financiers ou matériels en utilisant la peau de sa crédibilité. Et là, nous sommes chez Balaam. Un faux prophète, la Bible nous parle des faux prophètes. Un faux prophète est reconnu pour les faux enseignements. Un faux prophète, excusez-moi, est reconnu aussi pour une mauvaise vie qu'il mène. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Mais un faux prophète est surtout reconnu par sa cupidité. Pourquoi? Tout le monde cherche à connaître ce qui est caché. C'est inné dans l'homme. Tout le monde cherche à connaître le futur. Regardez comment nous regardons la météo tous les jours, ici, surtout chez nous ici en Europe. Aujourd'hui, il faisait beau à un moment là, et puis le climat a changé. Aller à Londres, c'est compliqué. Il pleut ici, il pleut là-bas, et on ne sait plus très bien si on doit se fier même à la météo. On regarde la météo parce qu'on veut, s'adapter au climat, à ce qui va arriver. Exactement. Et dans chacun de nous ici, tout le monde ici a besoin, même si tu dis, moi, les prophéties, là, moi, j'aime pas trop. Hein. Moi, j'aime la parole. Moi, j'aime la parole. Tu mens. Nicodémiquement, tu vas chez d'autres prophètes pour appeler. Que dit Dieu? Parce que ce n'est pas un péché, c'est normal. Chacun de nous en lui a besoin d'écouter ce que Dieu a à lui dire. C'est clair. Pourquoi pas par une prophétie? Qui aime la prophétie ici? Wouh! Quelqu'un voulait dire, oh non, moi j'aime la parole du prophète. Ces prophéties-là, j'aime pas trop. Moi j'aime la parole de parole. Dis avance, prophète, bien. Jude 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. De Pierre 2, verset 15. Après avoir quitté le chemin droit, le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bessor, qui aima le salaire de l'iniquité. Si j'aimerais parler à deux catégories de personnes. Il y a de ceux qui ne sont déjà même pas de Dieu, mais qui se font appeler prophètes pour de l'argent. Regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui combien vous écrivent sur cette chaîne YouTube là. Au nom de Joël Francis Tate, ma fille, Dieu te bénisse. Nous avons une fondation pour les enfants. Qui a déjà reçu ce genre de message? Sur Telegram, qui a reçu ce genre de message? Une fois d'ailleurs, il y a une femme d'un certain pays d'Afrique. Elle est mariée, elle avait des problèmes avec son mari. Et elle a commencé à... Vous savez, parce qu'il y a des gens spécialistes, hein, ils suivent le prophète Joël. Quand vous commentez, ils te suivent en inbox. Ma fille, je t'ai vue en ligne. J'ai à cœur de prier pour toi. Et la maman aussi a commencé à écrire et préfère converser avec le prophète Joël Francis Tate. Jusqu'au point où elle a commencé à sortir avec le prophète Joël. Mais une servante de Dieu. Marie, elle était tellement sage, malin, disons. Avant le live, déjà, il disait, chérie, est-ce que tu es là? Il faut suivre la parole de Dieu. Et quand on envoie le live, il prenait le lien, il partageait. Appel vidéo, non. Appel audio, non. Il écrivait. Il y a beaucoup de gens autour de moi. Tu es une servante de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Tu vois ma situation actuellement. Parce que c'était à l'époque. Je ne peux pas trop même afficher. Il faut qu'on garde ça dans la prière. Toi aussi, tu es dans une situation compliquée de ton foyer. Mais Dieu est avec nous. Et la femme envoyait l'argent. 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros pour la construction. Chérie, je suis avec toi. J'ai vu comment tu as parlé de la construction, vraiment. Je suis avec toi. Elle envoie 5000 euros, 2000 euros, 1000 euros. Ah, moi, Seigneur, moi, je prêche. Et malgré qu'elle était dans l'erreur, elle a envoyé un de ses fils spirituels chez nous à l'église, qui est venu. Et en parlant, elle a finalement découvert qu'elle ne parlait pas avec moi. J'ai dit, non, mais je ne parle pas avec ta mère spirituelle. Et on a pris le téléphone, on l'a appelé. J'ai dit, mais je ne vous ai jamais parlé. Le prophète, garde-moi. Protège, protège-moi. J'ai dit, non, si vous êtes une servante de Dieu, ça arrivait à relever vous tout ça. Et combien de gens, une femme m'a vu à Bruxelles, quand j'avais mon bureau à rond-point Schumann. Elle vient me dire, prophète, j'envoie mes dîmes chaque mois. Elle est comme apôtre, comme ça, elle écrit sur internet. Ma dîme chaque mois, je n'ai jamais reçu. Mais rien de votre dîme, je dis, ce n'est pas le mien. Elle dit, non. Elle voulait plus faire un scandale. J'ai dit, maman, c'est pas ma faute. C'est mon nom qu'on a utilisé, mais ce n'est pas moi. Si des gens le font sur le net et dans la vie réelle, c'est clair. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne travaillent que pour ça. Ils n'ont que faire de votre vie, de vous.
vos soucis, de vos problèmes, c'est l'argent. C'est l'alpha et l'oméga, c'est l'argent et l'argent et l'argent. J'aimerais vous dire ici, l'argent est une très bonne chose. L'argent, c'est un impératif dont on a besoin pour la mission du temps de la fin. Mais l'argent n'est pas l'objectif. L'argent est un moyen pour atteindre l'objectif. S'il y a l'argent, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Non, on reçoit les gens par entretien. Ah, papa, la personne est venue comme ça. J'ai dit, faites l'entrée. Parce que c'est pas l'argent, c'est l'honneur. Et quand le problème est, on est là, on doit traiter le problème. Dites amen bien. Amen. Dites amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas une question d'argent. C'est d'abord une question d'âme. Voilà pourquoi je prie qu'à la porte des cieux, ici à Paris, que les âmes soient notre priorité. Amen. Je répète que les âmes soient notre priorité. Amen. À la fin du mois, on compte l'argent, c'est vrai, mais on doit aussi compter à la fin du mois combien d'âmes on a gagné pour Jésus. Amen. Parce qu'au ciel, n'oublions pas, nous allons rendre les comptes de ce pourquoi il nous a réellement appelés. Le prophète Hubert Angel, à une époque, au Zimbabwe, il m'appelle et me dit, tu sais que telle sœur, la femme, elle sortait avec un millionnaire zimbabwéen. La femme aussi est millionnaire. Elle a déjà offert au prophète comme ça, elle a 1 million de dollars. Il me dit, fouille cette femme-là rapidement, parce qu'elle est en train de te chercher. Il m'a dit, fouille, run away. Et millionnaire, Rolls Royce, Bentley, Maserati, les voitures de luxe là. Et elle est même très proche de certaines stars de la Tanzanie, dont je te le nom, sinon les gens vont voir le lien. Et c'était compliqué dans l'entourage de Diamond là. Compliqué. Donc elle venait me voir, elle appelait, elle écrivait, my love, my baby, I will help your ministry, I will support you, you are the man of God, tout ça, qu'on se marie seulement. Oh, je vais te voir dormir dans tes bras. Oh, honey, baby. Hey. Le prophète m'a dit, attention, elle a le sida. Combien de patients ont le sida aujourd'hui? Il y a même d'autres. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent comme ça, oh, prophète, dit, c'est pas un problème. On a dit de manger la viande du corbeau, pas le corbeau. Donc, je vais manger d'abord son argent sans la manger elle. L'argent corrompt. Que je ne veuille pas, quelque chose sera détruit en toi. Ou quelque chose dans ta manière d'aborder les gens va être détruit. Quand tu verras quelqu'un, tu verras que l'opportunité d'avoir l'argent. Si. C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il faut respecter les hommes de Dieu. Il faut respecter. J'ai même dit à Kinshasa, il faut respecter les gens que vous invitez, vous les respectez. Mais même ma femme qui est là, je lui dis toujours, je dis, si on va quelque part, même si on ne donne pas ce qu'on s'attendait à recevoir peut-être, on doit bénir Dieu. Il ne faut jamais murmurer, même si on te donne peu. Jamais. Quand ça arrive entre tes mains, moi je connais des pasteurs, peu d'argent comme ça, c'est quoi? Ah, papa, rajoute. Je respecte ceux qui le font, hein, mais moi je ne le ferai pas. Parce qu'on ne moissonne pas toujours là où on a semé. Dieu ne bénit pas toujours là où on a travaillé. Exactement. Tu peux travailler ici, Dieu te bénit là. C'est tu vrai. Travailles là, Dieu te bénit ici. Parce que Dieu a 1000 moyens pour te récompenser. Mais quand tu te plains de ce que tu as, ça peut être un test. Le Saint-Esprit te regarde si en toi, tu as travaillé pour avoir une récompense. Yes. Ou bien tu as travaillé pour le salut des âmes. Et quand Dieu voit que tu es fidèle dans les petites choses, il peut te payer en un jour 45 fois. Oh, tu c'est n'as clair. Pas dit amen. Amen. Tu es le spécialiste en compte bloqué. Dieu peut te bloquer un compte pendant 3 mois pour qu'en un jour, il te paye 103 fois. Tu vas comme ça, 100 000 euros, tu tournes là-bas voiture, tu rentres là-bas passé, tu rentres là-bas, la présence t'appelle. Je décrète et déclare pour tous ceux qui sont fidèles que Dieu va vous récompenser. Dites amen bien. Mon frère et ami, le bishop Amazou, que beaucoup de gens connaissent, en 2017 ou 18, je crois, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, Joël, ta grâce est tellement grande en tout cas, il faut que tu aies à Paris. Il dit, au courant, on ne t'aime pas, on ne te connaît pas trop bien, tu as une grâce extraordinaire. Mais je te vois bien prospérer à Paris, tu vois, avec ta grâce, tout ça, ta manière de prêcher. Si tu es à Paris, tu vas prospérer. Et j'ai dit, ah, j'ai dit, gloire à Dieu. J'ai pensé à mon église qui n'évoluait même pas. Quelques centaines de membres, les mots de tête, pas d'instruments, les lives, moins de 100 personnes. J'ai dit, oh, ici c'est Paris. Pas là. Hamburger. Guacamole. Parmesan. Toi, tu manges là-bas les noun dans les bites égouttées. Et les Thompson. Il me dit, non, toi, mon cher, il faut vraiment que tu fasses tout. Et
vraiment avec beaucoup d'amour. Il m'a dit, mon frère, il faut que tu y ailles. Et Dieu bénit cet homme parce que c'est quelqu'un qui m'aime et me soutient énormément. Et il m'a dit, en tout cas, va prier, chercher Dieu, ma voix, parce que j'ai tous les contacts ici. Tu peux même avoir ta résidence ici à Abidjan, et puis paf, tu as ton visa, et puis tu pars par Abidjan. J'ai regardé Kinshasa, comment mes fils spirituels me donnent les mots de tête. J'ai regardé Paris, j'ai regardé Kinshasa, j'ai regardé Panama. J'ai dit, ici, c'est Kinshasa, à l'époque de Kabila. Et j'ai regardé Paris. Paris, frère. J'ai dit, non, je dois penser à moi aussi. Pensons un peu à nous-mêmes. La nuit, je dors, la voix de l'Éternel vient à moi. Dieu me dit, ton temps de quitter Kinshasa n'est pas encore venu. Reste là, rentre, travaille, je veux te bénir là. J'ai dit, ah Seigneur, papa, pardon. L'importance n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Il faut mieux être dans un désert avec Dieu qu'à Dubaï sans Dieu. Oh, dis à ton voisin, le plus important n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. On a parlé au bishop, on a dit non, Dieu nous fait encore là, on va rester. Et je suis resté à Kinshasa, mais maintenant je suis là. Et ici j'aimerais vous dire, apprenez le contentement. Le plus grand problème aujourd'hui avec ceux qui font des déviations dans les histoires des ministères, c'est parce qu'ils ne veulent pas se contenter. Dieu est un Dieu qui nous fait passer à son école. Il va toujours, il va mesurer 1000 coudées. Il te fait traverser. 1000 coudées, il te fait traverser. Il va d'abord mesurer 1000 coudées avant de te faire traverser. Vous connaissez l'histoire, Ézéchiel chapitre 47. Il va d'abord faire mesurer après traverser, avant le verbe traverser, conjuguera le verbe mesurer. Mesurer ta capacité de prier. Mesurer ta capacité de dire merci après quitter, fais passer par une épreuve difficile. Mesurer ta capacité à dire j'ai fini la veille, on m'a rien donné, mais je rentre à pied, mais je bénis Dieu parce que j'ai aidé cette famille-là. Il va d'abord te mesurer avant de te faire traverser. Combien de gens ont échoué au test de la mesure? Combien? Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être puissant. Tout le monde veut être accepté. Écoutez-moi, aujourd'hui j'ai réfléchi, je m'étais dit, le besoin de reconnaissance est humain, est naturel, est légitime d'ailleurs, non? Je me suis bien habillé. Je ne dirais pas que c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Seulement, non, je me suis bien habillé parce que j'ai eu besoin. Voilà, qu'on sache que voilà. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans le mariage, tout être humain a besoin de reconnaissance. Mais il y a des gens, sans le savoir, ils ont un besoin extrême de reconnaissance. Il va aller trouver 1000 mentors. Il veut seulement qu'on reconnaisse qui il est. Il veut qu'on reconnaisse ce qu'il a. Il se fâche, il change de nom sur internet. Ah, Francis, pourquoi? Prophète Francis, pas ministries. Pourquoi? Besoin aussi qu'on le reconnaisse. Ah, il s'efface, il va au studio, photo, tchaka, tchaka. Mon petit frère me dit toujours, toi, tu as abîmé cette génération. Là, ici, tout ça. Réunion prophétique de puissance. Le réveil prophétique du temps dernier. Avec le prophète Paul, thaumaturge. Je vous dis, hein, ce qui tue la plupart d'entre nous, c'est un besoin effréné de reconnaissance. Tu vas commencer à poster des gens même que tu n'as même pas posté. Parce que tu as besoin que ceux qui sont avec lui te reconnaissent. L'élévation est différente de la promotion. C'est clair. La promotion peut être faite par les réseaux sociaux. Peut être faite par une bonne équipe de marketing et médiatique. C'est vrai. Mais l'élévation, ce n'est pas monter. L'élévation est une position spirituelle que Dieu te donne. Exactement. Tu n'as pas dit amen. L'élévation, ce n'est pas être promu. Non. L'élévation vient avec la promotion. Mais toute promotion n'est pas une élévation. Parce que même les hommes peuvent te promouvoir. Mais ce n'est pas Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Quand ce sont les hommes qui vous sont promus, ils ne vous tiendront que selon la solidité de leurs bras. Et le jour où leurs bras vont se fatiguer, vous allez tomber. Mais quand Dieu t'élève, je dis, mais quand Dieu t'élève, il s'est soutenu par sa parole puissante, toute chose qu'il a eu à initier. Oh, donne-moi la main bien que je t'entends. Lève-moi, dit Seigneur, je veux que toi seul m'élève. Que
les hommes ne me lèvent pas, qu'un partenaire ne me lève pas, qu'une femme qui a beaucoup d'argent ne me lève pas. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore, faites attention à ceux qui ont beaucoup d'argent. Satan a déjà compris ce dont on a besoin à l'église. Ceux qui donnent sont importants. Ceux qui ont de l'argent, c'est une grâce. Et moi-même, j'en ai et je souhaite en avoir encore beaucoup. Mais souvent sans le savoir, parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, vous changez de place. On donne les places en fonction de la voiture. Et le protocole à l'extérieur fait signe à tous les protocoles, comme un peu en chaîne. Il dit VIP. Et la personne est devant. Pourquoi? Parce qu'elle est spéciale. Elle a de l'argent. Et on se dit, la seule manière de la garder, maman, j'ai rêvé la nuit. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à toi. Mais dans mon rêve, j'étais rêvé. Voilà pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, ils prophétisent leurs pensées et leurs imaginations. Il y a des gens qui sont rêves en riches en imagination. J'ai dormi, puis j'ai vu, vous étiez entré avec deux personnes, mais je n'ai pas compris, deux personnes, c'était qui? J'ai vu comme un homme, une femme. Bon, ce n'est pas important. Quand vous étiez entré, Dieu m'a dit, elle est ma fille. Établie la présidente des mamans à l'église. Il faut qu'elle me serve, parce que si elle ne me sert pas, je vois son mari mourir dans les 6 mois qui viennent. Et la femme, toute tremblante, accepte un poste et on donne les postes parce qu'on veut garder les gens afin qu'ils ne quittent pas. Comment les pasteurs ont toi, tu étais en train de fuir l'église. Le pasteur comprend, il te met un poste directement, bing. Et comme tu aimes ça aussi, tu es resté là pour avoir les titres, mais sans être heureux et heureuse dans ton cœur. Parce que tu sais que ce n'est pas ta place. C'est la vérité. Il faut qu'on arrête cette politique, cette mafia, cette stratégie politique ridicule dans l'église. Pour maintenir les gens, maintenant, on doit commencer à créer des choses. L'argent, c'est bien, mais il ne faut jamais dépendre de ceux qui ont l'argent. Voilà pourquoi moi, quand Dieu me parle, je parle. Quand il ne me parle pas, je prêche, je dis amen, je vous laisse partir. Parce que j'ai décidé dans ma vie de ne pas être dirigé par qui que ce soit qui a l'argent. En tout cas, je ne suis pas parfait. Mais tous ceux qui ont été avec moi depuis le début savent que je suis quelqu'un d'intransigeant par rapport à l'argent. L'argent, m'achetez moi. Tu as vu un prix ici. Tu ne m'achètes pas. Je me suis séparé des personnes qui pensaient m'acheter avec leur argent. J'ai dit, prends ton argent et tout ce que tu as donné, reprends avec toi. Reprends avec toi. Je préfère marcher à pied, manquer de quoi manger, que d'être là sachant qu'il y a quelqu'un qui me manipule. Prophète, arrêtez de suivre la voie de Balaam. Le Dieu qui t'a donné 10 euros, un jour peut te donner 100 euros. Le Dieu qui t'a donné 100, un jour peut te donner 1000 euros. Le Dieu qui t'a donné un jour 1000 euros, il peut te donner 10 000, 100 000, 1 million. Le Dieu là est fidèle. Il est possible d'avoir beaucoup d'argent sans être passé par des magouilles et des marmailles dans le ministère. La preuve, ils ont l'argent, ils font quoi avec? Tu vas coucher avec une femme de l'église pour avoir son argent. Après l'argent là, tu fais quoi avec? Il n'y a même pas les parcelles que tu as achetées. Même pas des choses durables que tu achètes avec, ce ne sont que des divertissements. Ne suivons pas la voie de Balaam. Un faux prophète est un homme qui travaille uniquement pour l'argent, pour les biens matériels. Rien à voir avec les âmes. Quand il va quelque part, on va tirer combien? On va soutirer combien? On va voir combien? Dieu nous a beaucoup brisés. Hein? Des fois, on s'attend à beaucoup d'argent. Quelque part, tu travailles, mais tu n'en as pas eu. Mais des endroits où tu ne pensais même pas voir, on te donne quelque chose, tu dis, ah bon? Alors tu dis, ah Seigneur, j'ai appris. Aujourd'hui, je dépendrai de toi. C'est clair. Dieu bénit. Et que Dieu te bénisse. Amen. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Que l'esprit de Géasi quitte tous les fils et les filles spirituelles autour de nous. Combien de gens qui vous avez envoyé l'argent à Kinshasa, croyant, voyant, prophète. Moi, je suis prêt d'être proche de Daddy. Nous, on prie avec Daddy. Nous, on soutient Daddy. Et puis, viens après la prière, Daddy photo. Toi aussi, tu acceptes la photo. Il envoie une idée, je venais de parler avec lui. Regarde comment il est habillé aujourd'hui au culte. Il est là, tu vois, c'est la preuve. C'est nous qui recevons les dîmes et on va donner. Pour l'argent, manger. Combien on a interpellé à Kinshasa? Ah, plein. Donc on a beaucoup de gens comme ça qui viennent autour. Mais tout ce qui vient, c'est avoir l'argent. Ne servez pas Dieu pour l'argent. Servez Dieu pour les âmes. Dieu bénit, Dieu enrichit. Amen. Nous, on a vécu dans une bonne vie. Moi, je suis une abonnée ici. On a aussi vécu dans une vie misérable. On dormait avec de l'eau. Avec du sucre, on appelle chez nous ça, on appelle chez nous Malobo. C'était très difficile, très, je vous te dis, très compliqué. Béni soit ma mère, j'ai une mère. Acclame ma mère un peu là. Ah. Elle nous a enseigné comment chercher Dieu, comment craindre Dieu. Elle nous a enseigné Dieu. On allait à l'église avec elle, on
marchais à pied presque tous les jours pour aller à l'église. 100 euros, argent de transport. Oh, à l'église, on ne nous a rien donné. Tous bénévoles, parce qu'on aimait Dieu. Quand j'ai commencé à voir et entrer dans les milieux, un jeune politicien m'a appelé, m'a dit non, je vais faire de toi. J'ai dit, hey, moi, faire de moi. Et tu vas dire que c'est toi qui as béni Abraham. J'ai dit jamais de la vie. Si vous voulez être intègre dans les choses qui ont un lien avec le prophétique, faites attention au matériel et à l'argent. Faites attention. Faites attention. Faux prophète. Qui est faux prophète? Un faux prophète est une fabrication humaine. Créée à l'issue d'une démangeaison d'un peuple de Dieu donné d'écouter les choses qui vont plaire à leurs oreilles. Celui-là aussi est un faux prophète. Paul dit, ils vont se donner une foule de docteurs et on a démangeaison d'écouter les choses qui vont les plaire. Et aussi c'est un faux prophète. Donc maintenant, tu ne prêches plus la vérité. Parce que si tu prêches beaucoup, on n'ira pas des amen. Si tu prêches beaucoup la vérité, on ne donnera pas les offrandes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit donner au peuple ce qu'il demande. Dieu n'est pas de la démocratie. Oui. Never. Non. C'est la vérité. Oh non, prêche-nous seulement ça. Non, 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 non. Un prophète dit ce que dit Dieu. Parce que le prophète connaît le ainsi dit l'Éternel. Le prophète connaît le ainsi fait l'Éternel. Le prophète connaît surtout le ainsi est l'Éternel. Parce que c'est le ainsi est l'Éternel. C'est je suis qui fait, c'est je suis qui dit. Parce que tout ce qu'il dit est fait en accord avec ce qu'il est. Il y a même très fort. Le prophète sait qui est Dieu et il ne peut pas jouer avec n'importe quoi dans ce ministère prophétique. Et beaucoup de prophètes ont été créés. Moi, je prophétise très fort. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, on ne t'a pas encore vu faire ce que tu fais sur YouTube. Hein? J'ai dit, c'est ça votre problème. Je ne ferai pas pour vous plaire. Si je dois le faire, je vais le faire. Mais j'ai une autre stratégie. Et on ne prophétise pas parce qu'on veut seulement prophétiser. On prophétise parce qu'il y a un besoin. Il n'y a pas que la prophétie dans le ministère. Il y a l'enseignement, il y a la parole. Est-ce que quelqu'un n'est pas venu passer l'enseignement? Oh yes! Mais quand... en tout cas, bon, ils sont un peu déçus. Hein? Ils voulaient que tu fasses un peu aussi. Je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Vous allez partir. Ah mais oui. Oui. Non, non, c'est pas ATM où tu viens, papa, 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 et puis on te donne prophétie à la carte. Non, on peut le faire, c'est aussi bien de le faire, mais il y a une séduction dedans. À la fin, on commence à faire les choses pour faire plaisir aux gens, et plus pour atteindre les objectifs de Dieu dans un culte ou dans une réunion. Il y a un temps pour tout. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, mais tout doit être fait pour l'édification. Quelqu'un a un cantique, l'autre a une révélation, l'autre une part de connaissance, une exhortation, que tout se fasse pour l'édification. Exactement. Donc on peut avoir là un jour et puis un autre jour on a un autre. On n'est pas obligé de faire et refaire les mêmes choses parce qu'à la fin les gens s'habituent à ça et ne trouvent plus cela spécial. Et t'avances prophète. Il y a ton voisin qui est un faux prophète. Acclame d'abord et puis on va continuer. Je veux que tu touches tous les voisins autour de toi. Dis, cher voisin, attention faux prophète. Est-ce que tu l'as dit à tous les voisins? Qui est un faux prophète? Un faux prophète est un prophète qui prophétise par de mauvaises sources spirituelles. Je répète, c'est un prophète qui prophétise par des canons, par de faux canons, par de mauvaises sources spirituelles. Dieu avait attaqué Israël parce que Israël, les prophètes d'Israël prophétisaient par Baal. Ils prophétisaient par Baal. Prophétiser par Baal est une expression pour dire c'est Baal qui les inspirait lorsqu'ils prophétisaient. Lorsque Élie a demandé au prophète de Baal de venir, croyez-moi, c'est seulement ce jour-là qu'ils n'ont eu ni pluie, ni signe d'attention, ni exaucement de Baal. Mais généralement, ils voyaient les résultats. Parce que Baal est une divinité. Baal est un dieu. Il y a Baal et Astarté. La divinité masculine et féminine. Baal et Astarté. Dis avec moi, Baal et Astarté. Et ces divinités-là, qu'on appelle aussi les Shedim en hébreu ou bien les démons,
les Shedim, les démons, ces esprits-là, ces divinités qu'on appelle aussi des dieux. Parce que Shedim parle, a aussi un lien avec Elohim, mais ça a la même connotation. Seulement quand on parle de Shedim, on parle de démons. Parce que les démons portent aussi des fois dans la Bible le nom d'Elohim. Ce sont comme des dieux. Bref, des esprits, des entités, des divinités. Et un homme peut prophétiser avec précision sur ta vie. Il peut prophétiser en te disant des choses vraies sur ta vie. Te disant même des choses à connotation biblique sur ta vie. Donc, Dieu dit fais attention. Dieu dit crains son nom. Quelqu'un m'entend? Yes. Peut te dire des choses aussi par rapport au futur vrai. Et qu'il s'accomplisse. Mais la source d'inspiration de son message n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des esprits, des entités spirituelles qui ont la capacité de révéler aussi ce qui est caché et de révéler ce qui est futur. Mes frères et sœurs, quand on parle de l'art divinatoire dans la Bible, faites attention aux devins, aux astrologues, à ceux qui évoquent les morts ou à ceux qui ont les esprits de Python. Ce sont ceux que l'on reconnaissait comme étant prophétisants, mais par le canal des arts magiques, par le canal des esprits des morts, par le canal de la puissance occulte. Frère, si Jésus dit, ils vont même faire des miracles, des prodiges, au point de vouloir séduire même les élus, crois-moi, ça sera dangereux. La ligne est très, la frontière est très fine. C'est entre vrai. Le vrai et le faux. Des fois, le vrai et le faux sont pareils devant la cour de Pharaon. Serpent ici, serpent là-bas. Comment savoir que celui-ci est de Dieu, celui-ci est des magiciens de Pharaon? Dans les choses spirituelles, il y a une grande confusion. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu te donne le discernement pour que tu saches trier, discerner, livrer parmi les bons grains. Aujourd'hui, c'est très triste parce que plusieurs serviteurs de Satan sont devenus prophètes. Et le vrai problème avec eux, quand tu demandes le jour où ils sont convertis, ils ne savent même pas le jour où ils avaient reçu Jésus. Frère, dans les choses du ministère, on commence d'abord par la nouvelle naissance. Il n'y a pas quelqu'un qui dira, moi je suis né prophète, moi quand j'avais 5 ans je prophétisais, moi quand j'avais 2 ans je prophétisais, moi, même si ton prophétique était déjà avant que tu ne naisses de nouveau, mais avant qu'on te reconnaisse prophète, tu dois d'abord passer par la nouvelle naissance. C'est ça. Parce que nous sommes prédestinés en Christ. C'est en Christ que ce pourquoi tu étais prédestiné commencera. C'est en Christ que le programme de Dieu pour toi prophète commence, sinon tu es un faux prophète. On ne devient pas prophète, on est prophète. Mais pour maintenant être attesté dans le corps du Christ prophète, il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Exactement. Et certains, ce qu'ils faisaient dans leur petite chambre de marabout, ils l'ont juste permuté, changé, muté en ministère prophétique. Ils font ce qu'ils faisaient là-bas, maintenant au nom de Dieu. Mais la source n'a pas changé. Les mêmes choses qu'il faisait pour recevoir les révélations, il les fait encore sur la chair. Et vous voyez Dieu, les miracles, un bon français, une belle veste, mais vous ne connaissez pas la source. Cette femme qui avait l'esprit de Python dans Actes 16 disait la vérité. Elle disait la vérité. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Ces hommes sont les serviteurs. Un message peut être correctement vrai, biblique. Bibliquement correct. It makes sense. C'est vrai. C'est vraiment le bon sens. Mais l'esprit qu'il y a derrière, tu ne le connais pas. Faites attention à ceux qui disent, oh, j'étais mort, je suis ressuscité. Quelqu'un même, un jour, ça fait quelques années, une femme est passée sur internet. Oh, Jésus revient. Faites attention aux gens qui sont toujours allés. Jésus revient bientôt là. Oui. Parce qu'ils savent que ce qui va tester aujourd'hui que quelqu'un est un vrai, c'est quand il parle de sainteté et retour de Christ. Et ils se sont réfugiés là-bas très nombreux. Jésus revient bientôt, répondez-vous. Même Dieu m'a révélé la nuit dernière que cette année, il n'y a que 2 personnes qui sont au paradis. Les pasteurs sont dans le péché, dans la magie, dans l'occultisme. Hein? Papa, dans Ésaïe, il est écrit qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est vrai que Satan agit, mais Dieu aussi agit dans l'église aujourd'hui. Exactement. Il y a aussi des vrais serviteurs, des vrais prophètes, des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Arrêtez Exactement. De faire croire que l'église est dans les ténèbres, l'église est morte. L'église, ça, c'est la séduction. Dieu révèle, Bishop Oedipo, il est dans la franc-maçonnerie. Tel pasteur, franc-maçonnerie. Toi, tu dis, oh, le temps de revenir, il revient bientôt. Tu es insensé.
Et des gens comme ça sont les manipulateurs. Si vous nous montrez toujours les faux pasteurs, montrez-nous les vrais. Et ces hommes-là ne montrent jamais les vrais. Ils vont montrer que tout le monde est faux. Le vrai, c'est eux. C'est vrai. Et t'amènes bien. Fais comme ça, avance, prophète. Fais encore avance, prophète. Donc plusieurs sont vraiment des serviteurs de Satan. Mais ils se sont convertis seulement en prophètes parce que ça marche bien. Ça attire des membres, ça attire des femmes, des hommes et des femmes d'affaires, les acteurs politiques. Mais ce sont des serviteurs de Satan. Et croyez-moi, quelqu'un maintenant va dire, ah oh, mais comment on va discerner? Comment on saura que c'est Dieu? Est-ce qu'un serviteur de Satan peut prêcher les choses vraies? Oui. Un serviteur de Satan peut te prêcher contre la masturbation. Mais après avoir écouté son message, tu te masturbes comme jamais tu t'es masturbé. Oui. Parce que ce n'est pas ce qu'il a dit en parlant contre une chose, mais c'est l'esprit qu'il a libéré derrière cette chose. Quelqu'un peut te dire, moi, la paresse, travaille. Mais après ça, tu es poussé à devenir fainéant fois 3. Ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est l'esprit qui accompagne ce qu'il dit. Et cet esprit peut créer les effets contraires. Les effets contraires de ce qu'il prêche. Ces esprits peuvent emmener, te pousser à goûter à l'interdit. Ne faites pas. Pendant qu'il dit ne faites pas là, ne commettez pas, ne faites pas. Quand il dit ne faites pas là, c'est là maintenant que les esprits viennent créer le désir. Essaie un peu. Regarde, mais ne touche pas. Après, tu dis touche, mais ne goûte pas. Après, tu dis goûte, mais ne mange pas. Après, tu dis mange, mais ne mâche pas, n'avale pas. Avale, mais ne digère pas. Digère, mais hein, pas. On t'imposera des limites, mais tu seras obligé de briser les limites. Et tu ne sais pas, tu dis, mais c'est contraire à ce que le pasteur a prêché, il nous a interdit ça, mais tu ne sais pas. Il y a quelque chose qui te saisit pour faire cela. Le monde spirituel est bizarre, frères et sœurs, que Dieu vous donne le discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche un message qui a l'air d'être la sainte doctrine qu'il est vrai. Il y a beaucoup de pasteurs sorciers. Oui, il y a beaucoup de pasteurs sorciers. Et vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et leurs fruits, ce sont aussi la qualité des disciples qu'ils produisent. La qualité des disciples. Oui, dites amen bien. Mais aussi, le plus grave, c'est qu'il y a d'autres qui ne sont pas que des serviteurs de Satan transformés en serviteurs de Christ. Mais le pire des scénarios, c'est celui, vous voyez, un serviteur de Christ accepté consciemment ou inconsciemment de se connecter à des mauvaises sources pour la popularité de son ministère prophétique. Quand je dis consciemment, parce qu'il y a certains qui ont dit, j'ai baissé, on ne m'entend plus beaucoup, je ne suis plus à la une église, sœur, amenant la prééminence de la ville, je disais que j'étais le père, je disais que c'était moi, les autres évoluent. Non. Et c'est frustrant, hein? Tu avais 1000, maintenant tu en as 300. Tu avais 300, maintenant tu en as 30. Tu peux mourir, tu peux te suicider. De voir que ceux qui étaient avec toi, tu le vois dans d'autres lives, dans d'autres églises. Elle est partie, pourquoi elle a quitté? Et d'autres ont craqué. Ils ont dit non. Au lieu de se regarder, d'entrer en eux-mêmes et de faire une autopsie, de faire des analyses, Seigneur, où est-ce que j'ai fauté? Peut-être mon leadership ou manque de sagesse, ou j'ai blessé des gens. Non. Il dit, il faut trouver une situation palliative. La prière, jeûne, ça n'évolue pas. Bon, on va appeler celui qui nous avait séduit autrefois. On l'appelle. Ouais, tu m'avais parlé de ça une fois. J'aimerais reconsidérer votre offre. Fais tel sacrifice. Et les gens commencent à mourir à l'église, vous ne savez pas. Quelques temps après, boum. Oh, le réveil est là-bas. La gloire de Dieu est là-bas. L'homme de Dieu a craqué. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu. Dans le temps d'Élie, il y avait Élie le vrai prophète. Il y avait des vrais prophètes qui étaient morts. On les avait égorgés, n'est-ce pas? Un roi 18. Mais il y avait aussi des vrais prophètes qu'on avait gardés dans les cavernes par Abdias, un homme intègre, qui était à genoux devant le prophète Élie lorsqu'il l'a rencontré. Bref, il y avait Élie, vrai prophète. Les vrais prophètes qui étaient morts et les vrais prophètes qui étaient dans les cavernes. On m'a posé la question quelquefois de savoir
si Jézabel était venue avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes là d'Astarté, j'ai dit à cette personne, non, pas tous. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que les prophètes de Baal et d'Astarté ne venaient pas de la Phénicie. Parce que c'était la fille du grand prêtre syrophénicien. Les prophètes de Baal et d'Astarté là étaient des vrais prophètes de Dieu, d'Israël, qui ont baissé Baal, qui ont fléchi le genou devant Baal et qui ont commencé à prophétiser par le canal des mauvaises sources. On dit amen bien. Amen. Prophète, même une preuve biblique, il est écrit, lorsque Élie a dit à Dieu, je ne suis plus digne de vivre, prends-moi. Dieu a dit, Larosi valaka. Dieu a dit, Élie, sois calme. Il dit parce que, ne dis pas que tu es seul, parce que je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant, devant Baal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques-uns ou plusieurs qui avaient déjà fléchi. Oh my God. Donc, il y avait là dans le secret, on ne les avait pas identifiés, ceux qui avaient fléchi et ceux qui n'avaient pas encore fléchi. Ces prophètes-là étaient des vrais. Même moi, ils ont dit, on va les servir Baal. Ils ont commencé à prophétiser, mais pas les mauvaises sources. Les faux prophètes d'aujourd'hui étaient les vrais prophètes. C'est comme un vrai billet de dollars, mais qui a tellement été déchiré, qui a tellement été abîmé. À la fin, il est dévalué. On ne le reconnaît même plus à sa juste valeur. Beaucoup de personnes étaient vraiment des vrais prophètes, mais sont devenus comme des faux. Parce qu'ils se sont livrés à des actes terribles dans le satanisme qui les ont emmenés hors de la lumière. Beaucoup de prophètes ne sont pas dans la lumière. Et si j'aimerais vous dire, faites attention à qui vous dites amen lorsqu'ils vous prophétisent. Même moi, priez avant de venir ici. Si je suis un vrai, Dieu vous le dira. Si je suis un faux, Dieu vous le dira. Mais vous avez la responsabilité d'être responsable de vos propres vies. C'est vrai. Une seule prophétie peut sortir quelqu'un de la trajectoire de sa vie. Une seule prophétie a poussé à des femmes de se marier à des hommes qu'elles n'aimaient même pas. Mais parce que Daddy, le prophète, a dit, il faut que tu épouses seulement cet homme-là, mon fils spirituel. Elles se sont mariées sans amour, vie sexuelle zéro, feeling zéro, mais pour obéir à Dieu, pour obéir à ce que Dieu avait dit. Elles sont malheureuses dans leur foyer et cherchent à divorcer aujourd'hui. Vous qui prophétisez, réfléchissez avant d'être prophète. Vous pouvez détruire une famille. C'est clair. Oh, ma fille, Dieu me dit, tu dois aller en Suède 5 ans. Et parce qu'elle te respecte, elle te donne du crédit, elle fait ses clics et ses claques. Elle part en Suède, elle vit 5 ans. Mais hors du plan de Dieu pour elle, parce que mon homme de Dieu avait parlé. Combien de personnes sont perdues aujourd'hui parce qu'elles ont fait confiance en des prophéties? J'aime la prophétie. Je crois en la prophétie. Mais on ne doit pas se tromper. Beaucoup donnent des faux messages. Des gens qui rêvent leurs imaginations ou les pensées de leur cœur. Quelqu'un se réveille comme ça pour t'intimider un peu. J'ai rêvé de toi cette nuit, mais j'ai mal rêvé de toi. Je n'ai pas compris. En tout cas, il faut que tu pries beaucoup. J'ai mal rêvé. Non, tu m'as bé. C'est faux. C'est faux. Arrêtez d'utiliser le prophétique pour vos intérêts. Arrêtez d'utiliser le prophétique pour atteindre vos objectifs. Arrêtez d'utiliser le prophétique pour draguer des sœurs. Frère, c'est toi qui portes la culotte. Lève-toi. Parle à la femme ouvertement. Donne des intentions. Oh, ma fille, je dors. Ma soeur, je dors, mais j'ai pas compris. J'ai rêvé que nous étions à deux devant l'hôtel, côte à côte. Et la soeur de dire français. Et la sœur répliqua, je crois que Dieu a révélé que nous serons tous les deux parrains d'un mariage ou témoins d'un mariage d'un couple qui va se marier à l'église. Le frère dit, je ne crois pas. Frère, arrêtez de manipuler déjà les prophéties. Les conséquences peuvent être, frère, ne faites pas ça chez vous, hein. Les conséquences sont réelles. Il y a des gens qui ont dit amen, qui ont accepté. Va en Europe, il va en Europe. Dieu dit, ne quitte pas l'Europe. Il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, ça fait quelques jours. J'aime beaucoup. Il m'a dit, non, prophète, ma femme, je ne l'ai pas vue depuis le mois de décembre. Mais voilà, j'ai une prophétie comme quoi je dois être ici en France pour travailler. J'ai dit, en tout cas, laisse d'abord la France là. Rentre au pays, va voir ta femme. Pourquoi il n'y a pas question, laisse d'abord la prophétie à côté. Là où tu es là, tu vas tomber dans la publicité. Que
tu le veux ou pas, tu n'as pas ta femme. Ne me raconte pas l'histoire de tu n'es pas 3 fois 16 si tu vas tomber là où tu es. Tu vas te masturber là où tu es là. Là où tu es, tu vas le faire. Tu dis, tu ne peux pas me raconter que depuis décembre, jusque maintenant, octobre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et tu es là parce que tu cherches Dieu. Je dis, arrête de mentir. La sainteté d'un homme marié n'est pas la même que la sainteté d'un homme célibataire. Exactement. Il dit, va, oh merci David. Va, ne me raconte pas des histoires. Je dis, rentre. La prophétie, là, on verra ça après. Si tu désobéis à Dieu, mets ça sur mon compte. Mais rentre d'abord. Sauve ton foyer. Parce qu'il ne faut pas être un succès public et un échec privé. C'est clair. David a élevé des généraux, a élevé des hommes puissants, caverne d'Adoulam. Il a eu des succès, il a conquis des nations, il a été un grand conquérant, mais à l'intérieur de sa maison, inceste, viol et tous les dégâts qu'on a commis. Il ne faut pas être un succès public et un échec privé. Dis ta main très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Et ici, plusieurs serviteurs de Dieu, actuellement, sortir de l'occultisme. Je vais me parler un peu de ce qu'on appelle inconsciemment. Après, je dirai consciemment. C'est mon dernier point, je veux clôturer. Quand on dit inconsciemment, c'est-à-dire, il y a des gens sans le savoir qui se sont retrouvés avec une dualité à l'intérieur d'eux. Dieu parle. Est-ce que je peux en parler ici ou bien je n'en parle dans une école des prophètes? Il y a des personnes qui travaillent avec deux esprits. Ouais. Si, si. Pierre a dit tu es le fils de Dieu. Et Pierre a aussi dit à Dieu ne plaise que tu aimes mourir à Jérusalem. Jésus a dit arrière de moi Satan. Il y a des gens qui ont derrière eux, ils ont l'esprit. Derrière eux, ils ont aussi Satan. Pourquoi? Un homme qui a une spiritualité ouverte, qui a un esprit ouvert, peut recevoir n'importe quelle fréquence. C'est vrai. Quand tu n'as pas dit amen. Il peut être connecté à n'importe quelle fréquence. Voilà pourquoi c'est important d'avoir la base de la parole de Dieu. Ézéchiel devait connaître des extases en esprit. Mais dans son ministère, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, mange le rouleau. Pourquoi? Parce que quand tu manges le rouleau et la parole est abondamment en toi, même quand un esprit, un faux Christ, un faux ange, une fausse vision vient, le Saint-Esprit prendra un verset biblique. Oh, comment? Et il témoignera en toi que ce que tu as vu là, c'est comme lui, mais ce n'est pas lui. C'est comme un ange, mais ce n'est pas un ange de Dieu. Il est possible. Voilà pourquoi même moi, par exemple le domaine des rêves, c'est un domaine que je prends avec des pincettes. Je crois aux rêves, je crois au monde des rêves, mais quand j'ai à côté de moi quelqu'un qui rêve tout le temps, c'est quelqu'un qui est dans la confusion. Ça ne va pas te plaire ce que je vais te dire. Mais si tu rêves trop toutes les nuits, il y a un problème dans ton esprit. Soit tu as un esprit ouvert, mais il y a du désordre dans ton esprit. Tu ramasses tout parce que ton canal est toujours allumé. Quelqu'un m'entend? Et tout ce que tu vois n'est pas forcément un message. Maintenant, toi, le matin, j'ai révélé ça. 15 rêves la nuit, 12 rêves la journée. Mais tu en foutais? Ou bien tu es manipulé à la fin? Joseph a eu 2 rêves. Et sa vie a changé. Le monde a changé. Toi, tu en as 20. Donc, en moyenne, par an, tu as 3582 rêves. Aucun ne s'est accompli. Tu as rêvé pour tout le monde à l'église. Rien de ce que tu dis n'est vrai et ne s'accomplit. Et quand on dit, je n'aime pas trop ce rêve-là, on n'aime pas mes rêves dans cette église, je vais partir. On n'aime pas mes prophéties, on ne croit pas mes prophéties. Ce sont tes prophéties. Ah, donc ce sont tes prophéties, ce ne sont pas les prophéties de Dieu. Si Dieu est celui qui t'a parlé, laisse Dieu te défendre et ne raconte pas l'histoire que je vais quitter ici parce qu'on n'écoute pas ce que j'ai dit. On n'est pas obligé d'écouter ce que tu dis. On n'est pas obligé. Ce n'est pas une prophétie qui dirige l'église locale, c'est le leadership qui dirige l'église locale. Exactement. Au début, je n'ai pas compris. J'ai rêvé que dimanche, tu t'es habillé en blanc, blanc le 2 octobre. Non, dimanche, maintenant, tu t'habilles en noir, blanc. Et la personne voit. Il n'est pas en blanc, blanc. Il ne m'écoute pas. Il n'est pas sensible. Et si ce jour-là, tu n'étais pas trop en forme, voilà qu'est-ce que j'avais dit. Tu m'avais révélé que la condition sine qua non pour voir le miracle, c'était d'abord le blanc, blanc. Et c'est comme ça que beaucoup de gens dans les intercessions manipulent les pasteurs et les sorciers profitent de ça. Et vous commencez à voir des choses sur des gens, les mamans pasteurs. Oh non, ces cheveux-là, c'est les esprits des sirènes. La sœur, elle est claire de terre, elle, c'est mamie Wata, comme elle est de Brazzaville. Oh, l'autre là. Tu vas te faire mal à la tête pour rien. Je crois aux rêves, je crois aux prophéties.
Mais j'ai appris dans le ministère prophétique, je ne vis pas en rapport avec la prophétie, je vis en rapport avec la parole de Dieu. Mon juste vivra par la foi et non par la prophétie. On dit amen bien. Amen. Mon juste vivra par la foi et non par la prophétie. Dis à ton voisin, tu vivras par la foi. Il y a des gens qui ont la démangeaison. Tu vas quelque part. Daddy, tu n'as rien vu. Daddy, tu n'as rien vu. Vraiment, c'est moi là, tu n'as rien vu vraiment. Prophète, quoi? Je te vois, je vois tes lunettes. Tes lunettes. Et il y a même des gens qui vont te dire, non, Daddy, je pensais que tu allais me dire une révélation. Je dis, papa, le conseil que je t'ai donné, la pratique. Bon, merci Daddy pour le conseil, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi. Daddy, comprenez, est-ce qu'il n'y a pas un message, je ne voyais rien, une direction. Le conseil que j'ai donné. Quand j'ai un comprimé, un comprimant de paracétamol, je ne sais pas si c'est encore à utiliser ici. Oui, oui. Paracétamol, je peux vous le donner cru, vous le buvez avec de l'eau. Je peux encore le mettre dans une cuillère, n'est-ce pas? Et puis j'écrase, je mets dans l'eau. Les mêmes résultats, mais avec un différent format. Je peux avoir eu un message pour toi, mais je le brise. Je le presse, je le mets dans l'eau. Je crois que je vais te dire. Parce que vous aimez ça, vous là, vous aimez ça. Oui. Quand quelqu'un vient, ma soeur, Dieu t'aime, Dieu est en train de me dire, ah non, papa, c'est pas la dimension. Quand quelqu'un fait, can I prophesy? Là, vous êtes là, non, 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 c'est fort. Non, non, le daddy, non, non, c'était fort. C'était fort. Il était dans des dimensions. Il n'y a pas de dimensions. Il était dans les agitations. Dis, regarde ton voisin, dans les yeux, dis voisin. On doit changer. C'est pas bien. Non, dis à ton voisin, on doit changer. C'est pas bien. Revenez un peu à ce que je disais, je veux clôturer. Mes frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu sont entrés dans l'occultisme sans le savoir. De différentes manières. C'est clair. Première manière, imposition des mains. Celui qui t'impose les mains te transfère, celui qui te transfère l'onction te transfère une partie de sa nature. Celui qui te transfère l'onction te connecte aux esprits qui sont derrière ses mains. Celui qui t'impose les mains te connecte aux sources dans lesquelles il se ressource. Oui, on peut te transférer des choses par l'imposition des mains, mais l'imposition des mains te connecte aussi à la source de celui qui prie pour toi. Voilà pourquoi dans Proverbes il est écrit, il y a beaucoup de bénédictions sur la tête de juste, parce que la tête est une porte de la vie. Il y a plusieurs portes qui donnent accès à ton destin, notamment à la tête. On parle même dans Hébreu, la doctrine des impositions des mains. Donc, ce n'est pas une question de blague avec. C'est toute une doctrine. Toi, tu viens ici, on t'impose les mains. Tu vas là-bas, on t'impose les mains. Tu rentres là-bas, on t'impose les mains. Ah, touche-moi, touche-moi, touche-moi seulement. Est-ce que tu sais où il met sa main? Ceux qui touchent avant de venir à l'église. Ceux qui l'appliquent sur les mains avant de venir vous toucher. Ceux qui pompent sur ses mains avant d'entrer à l'église. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez le droit de discerner. Les temps sont très, très, très mauvais. Beaucoup n'ont pas compris. Ils dorment, ils se voient sous l'eau. Elle dort, elle se voit sous l'eau. Elle ne sait pas. Tu n'es jamais tombé dans l'impudicité. Tu n'as jamais fait du mal. Tu n'as rien fait de mal. Ton mal à toi, il y a quelqu'un qui était dans plusieurs mots, qui t'a imposé la main. Et le mal est entré en toi. Faites attention à qui vous tendez la main. À qui vous imposez les mains. Faites attention. Faites très attention. Même les associations. Vous allez voir aujourd'hui des gens. Tu veux forcément. Moi je veux la voyance. Tu veux faire quoi avec la voyance? J'avais des hommes de lumière au bureau. Ils m'ont dit en tout cas, ma dimension prophétique a augmenté depuis que vous avez prié. Moi j'ai dit, homme de Dieu, je suis content pour vous. Je suis très content. Mais seulement sachez que Joel Austin aux États-Unis n'a pas la plus grande église avec des prophéties. C'est clair. Charisme est la plus grande église, mais il n'y a pas de paroles de connaissance. C'est clair. Dans la stabilité d'une structure, c'est la sagesse. Ce n'est pas du tout le charisme. C'est vrai. Et ne croyez pas que Billy Graham, c'est l'homme de Dieu du siècle. Billy Graham, mais on n'a pas eu des miracles, des prophéties.
mais l'intégrité a fait de lui un homme référence pour tous les chefs d'État, d'avant et jusqu'à aujourd'hui. C'est clair. Des fois, c'est la convoitise. Et je dis souvent aux gens, même quand on fait l'école des prophètes, ce n'est pas tout ce que je fais que vous allez faire. C'est faux. Je vais vous mentir. Même quand on dit, on va vous activer, papa, ce n'est pas tout le monde qui sera activé. Oui. Ça peut être circonstanciel, tu vis pendant un moment, mais ce n'est pas ce à quoi tu es appelé. Tu n'es pas un prophète voyant. Ce n'est pas ta juridiction. Mais au prix de. Maintenant, oh papa, donne-moi ce manteau, on te dit, frappe de bougie. Fais telle prière dans l'eau. Va dans telle rivière. Va dans tel lac. Va dans tel temple. Et puis, tu ne comprendras pas. Tu es allé. Tu es initié de l'occultisme. Ça va pourquoi? Tu mangeras la sorcellerie toi un jour. Au nom des dimensions. Au nom des levels. Au nom des dimensions spirituelles. Au nom des spiritualités, les gens se sont laissés initier dans l'occultisme. Et puis tu ne sais pas, tu étais déjà entré. Tu ne sais pas, tu avais déjà signé. Tu ne sais pas, il est difficile de faire marche en arrière. Et tu étais déjà dedans. Et tu te souviens du Dieu de ta jeunesse. Tu l'as laissé très loin. Parce que tu veux servir Dieu avec l'armure de Saül. Tu as oublié les armes avec lesquelles tu avais fait tomber Goliath. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est porter les armes des autres. C'est faire comme les autres. Reste authentique, reste toi. Le Dieu qui t'a élevé te gardera, t'élèvera encore. Amen. Ne sois pas prêt à tout. Voilà, faites attention aux gens qui sont prêts à tout. Ah, fais attention à quelqu'un qui est prêt à tout. Quand il est prêt à tout, il est prêt à tout. Fais attention. Faites attention. Les gens que vous recevez à la maison, avec qui vous dormez, avec qui vous couchez et avec qui vous vous mariez. Frères et sœurs, je fais une étude dans la Bible. Je ne sais pas ce qu'en penseront les théologiens. Mais je crois que j'ai raison. Ce n'est pas une révélation, c'est une réflexion. La Bible déclare, lorsqu'on parle de Joseph avec ses frères, on dit quelque part que Joseph avait une coupe avec laquelle il faisait la divination. Donc c'était cette expression-là est une expression du paganisme. C'est une expression du paganisme. Joseph, à la maison, il avait des songes. À la prison, il interprétait les songes. Devant le trône, il a interprété les songes. Il a donné un plan de management pour 14 ans face à la famine. Mais quelques temps après, on ne sait pas si c'est son don qui avait muté. Mais bizarrement, on dit Joseph avait une coupe avec lequel il devinait. Et qui veut le verset? Genèse 44, 5. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. Dis avec moi, Joseph. Ça, c'est beaucoup de gens n'ont jamais vu ça. Dis à ton voisin, Joseph de la Bible, là. Il pratiquait la divination. Oui. Il faisait le travail de devin. Ouais. Et je crois que Joseph était entré dans l'occultisme. Je répète, je crois que le Joseph de la Bible, fils de Jacob, avait été initié dans l'occultisme. Que malgré son lien avec Israël, son père, avec Israël, sa nation, il y a quelque chose qui s'était mélangé à son don. Non seulement de voir le futur, capacité prémonitoire de voir l'avenir dans les songes, non seulement la capacité d'interpréter ceux des autres sur les événements du futur leur concernant, mais Joseph, quelque chose était entré en lui. Avec la capacité et la spiritualité qu'il avait, quelque chose est entré en lui. Il a commencé à pratiquer la divination. Et cela est venu d'où? Cela est venu de la sagesse supérieure et magique de Pharaon. Pharaon dit, ce n'est pas possible. Où trouverons-nous quelqu'un comme ça, comme cet homme au beau milieu de mes magiciens et de mes sorciers, qui puisse interpréter avec autant de clarté et donner une solution? Il dit non. Quand Joseph, il sort sa bague, il donne à Joseph comme le sceau
N'est-ce pas? Il accorde beaucoup de positions au point même où il dit seul le trône te séparera de moi, mais tu as le droit de vie et de mort sur toute personne ici sur le territoire. Et dans Genèse 41, verset 46, on dit Pharaon appela Joseph du nom de Tsnafnath Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Dis t'amène bien. Pharaon a dit cet homme-là, il a l'esprit du Dieu supérieur. Son Dieu est élevé au-dessus de moi qui suis l'incarnation de Dieu. Quelqu'un m'entend? De mon fils qui en sera la réincarnation. Et de tous les dieux de l'Égypte ici. Il dit non, cet homme est terrible, mais il faut le coincer. La seule manière de maîtriser sa spiritualité, c'est par le sexe avec sa femme. La seule manière de maîtriser son pouvoir spirituel qui s'impose devant tous, au point où moi je n'ai ni capacité, ni même mes sorciers, il faut quelque chose qui va le verrouiller, qui va faire en sorte que je garde même mise sur lui. Il faut quelque chose, et ce n'était pas n'importe quelle femme. Il lui a donné la femme du grand prêtre. On m'a élevé, j'étais à Élysée. Et voilà, on te donne la femme du grand prêtre franc-maçon. Qu'est-ce que tu fais? C'est un piège. On veut te contrôler. On veut te maîtriser. Et on ne sait pas quelles étaient ces choses qui se transféraient lorsqu'il était avec cette femme. Parce que Joseph ne s'était pas marié selon les rites d'Israël. Il s'était marié dans la liturgie, dans les conventions des mariages qui se faisaient en Égypte, non seulement en Égypte, mais dans le domaine de la royauté, non seulement de la royauté, mais dans le domaine du sacerdoce. Parce que c'était la fille d'un grand prêtre. Il n'y a pas le Dieu d'Israël qui était invoqué là, croyez-moi. C'était des rites. On l'a même retiré son nom de Joseph. On l'a imposé un autre nom. Il a eu Manassé, il a eu Éphraïm. Voilà pourquoi à un moment seulement, Joseph a dit non, 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 là où je suis entré, c'est tellement compliqué. Il dit, appelez-moi mon père Jacob. Quand Jacob vient, il dit, papa, moi je suis déjà bloqué, verrouillé. Moi je suis déjà pris en otage ici. Mais mes enfants ne doivent plus être les miens. Viens adopter mes enfants. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut s'élever et dire amen très fort. Amen. Il a dit, mon père, là où je suis déjà verrouillé. Il y a des choses qui sont entrées en moi que je ne voulais pas. Je suis déjà entré dans un mariage avec la fille d'un grand prêtre. Mais ces enfants-là, ils n'ont pas droit d'avoir la vie que je mène. Je ne veux plus qu'ils soient les miens. Et Jacob est venu. Jacob était le plus mystique de tous les patriarches. Entre Abraham, Isaac et Jacob, le plus spirituel, c'était Jacob. C'est l'homme qui a vu l'ange et qui a combattu avec l'ange jusqu'au matin. C'est l'homme qui a vu Manaïm, le camp de Dieu. Quand je parle de camp de Dieu, je vois dans mon esprit un numéro de téléphone du Togo. Un pasteur qui s'appelle Barnabé dans l'église et comme Kalaba international camp de Dieu. Rabasopla, les plaquis à Masova. Et là, Paraka, lève les mains, dit Jésus est ici. Qui avance Saint-Esprit? Dis encore avant Saint-Esprit. Oh my God. Et quand Jacob est venu dans sa grande spiritualité, l'homme qui a prophétisé pour les douze fils en prédisant ceux qui vont être, en tenant compte même des constellations, Jacob le grand prophète, Jacob est venu et il a posé un acte particulier. Il a pris la main droite, il a mis sur le plus jeune, la main gauche sur le plus grand. Et le Joseph a dit, non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Il dit, je suis Jacob. Et le Shiloh sortira de moi. Et quand le Shiloh viendra, il donnera à ceux qui ne méritent pas ce qu'ils vont recevoir. Et à ceux qui méritaient ce qu'ils vont. Fais comme ça. Voilà, oh, ça te rappelle quelque chose? Voilà pourquoi à la croix du calvaire, il est venu vers les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Ceux qui méritaient sa présence ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dis avec très fort. Dis avec moi la croix. Il a opéré dans un mystère sacerdotal avec les mains. Et il a sorti Éphraïm et Manassé. Il les a tous sortis de la lignée de Joseph. Et ils sont devenus ses propres fils. Il y a des combats dans lesquels tu es,
il faut que Jacob vienne. Il y a des combats auxquels tu fais face, il faut que ton père spirituel vienne. Oh papa, je suis entré dans des choses qui sont compliquées. Je veux que maintenant tu viennes, que tu adoptes mon problème, que tu adoptes mon combat, que tu adoptes mes batailles, que mes batailles deviennent tes batailles. Je parle à quelqu'un de la porte des cieux ici. Dieu m'a mandaté ici à Paris en France. Les barres souples à Kiyama. Dieu m'a mandaté ici en France. Si tu es fils et fille de cette maison, je te dis que ton combat devient mon combat. Tes batailles deviennent les miennes. Tes combats deviennent mes combats. Cette sérénité-là passera, elle n'est plus à toi. Je parle de cette sérénité. Mais toi, tu auras des enfants. Je décrète et déclare, j'adopte tes combats aujourd'hui. Et je déclare que là où on t'avait emprisonné, que ta vie soit libérée. Acclame très fort là où tu es. Regarde ton voisin, dis voisin. Fais attention. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire pour clôturer. Beaucoup ont été initiés. Je connais beaucoup de femmes qui priaient à l'intercession, qui priaient quand elles faisaient l'évangélisation dans les métros à Paris. Mais concours de circonstances, âge, pression de la famille, besoin de quitter, de s'affirmer, de se confirmer, des fois même de prouver, des fois même de se réfugier, elles sont allées se marier à des hommes et aujourd'hui elles n'ont plus de ministère. Elles ne savent plus que faire. Quand elles viennent chez nous, nous aussi on va dire, femme soyez soumise, je ne sais pas te dire de venir à l'église quand ton mari ne le veut pas. Aujourd'hui elles sont en prison, elles ont l'appel authentique, elles ont la grâce authentique de Dieu. Mais qu'allons-nous faire? Tu es déjà marié. Ton mari ne veut plus que tu viennes. On ne sait pas faire face avec lui. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Satan est très rusé. Satan est très rusé. Satan sait qui tu es et où tu vas. Où est-ce que Dieu va t'emmener? Il peut te faire entrer dans une relation, dans une association, dans une fédération, dans un réseau de personnes. Tu ne sais pas, mais en y entrant, en te retrouvant là, tu vas te perdre. Combien de pasteurs sont mariés à des sorcières? Combien de vrais serviteurs de Dieu sont mariés à des sorcières? Et il commence à venir chez nous pour prier. Oh, Daddy, prie pour moi. Parce que je pense que je vais divorcer. Homme de Dieu, je vais divorcer. Que Dieu vous épargne. Que Dieu vous épargne. Et ne racontez pas que le mariage n'est pas spirituel. Oh non, parce que depuis que Dieu avait dit Adam, et puis Dieu a dit qu'il ne va plus entrer dans les histoires de mariage, de peur qu'on dise que c'est la femme que tu m'avais donnée. C'est quel verset? Quand ça va pas dans le mariage, vous allez prier pour moi. Si le mariage n'est que psychologique, communicationnel, sexuel. Exactement. Vous allez prier pour quoi quand ça va marcher? Exactement. Dieu est Dieu en tout. Amen. On a besoin de Dieu en tout, dans tous nos choix. Amen. Et beaucoup de gens avaient des grands appels. Satan, celui qui ne peut pas t'arrêter, mais va te mettre dans un contexte où tu ne pourras pas prier. Il va te mettre dans un contexte où tu ne pourras pas exploser. Et tu es là. Tu sers Dieu, mais tu sais en toi que tu vis en deçà de ton potentiel. Tu vis en deçà de ce à quoi Dieu t'a fait réellement appeler. Là, là-bas, sauve là. Et tu es perdu. Et tu es perdu. Mes frères et sœurs, je vous parle des choses que je connais. Je vous parle des choses que je connais avec expérience. Beaucoup de ceux que nous appelons là sont dans des prisons. Tu te retrouves pasteur assistant quelque part, tu ne sais pas comment tu es arrivé là. Mais tu dois jouer le jeu. Tu dois faire ton travail. Mais tu as des rêves bizarres. Tu sens des odeurs bizarres à l'église. Tu dis, c'est quoi ce qui se passe ici? Alors que l'occultisme est là. Mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Mes frères et sœurs, soyez humbles devant Dieu. Et soyez honnêtes et sincères. Dites à Dieu, avant que la gloire n'arrive, Seigneur, préserve-moi, protège-moi. Les temps sont mauvais. Satan sait qui tu es. Il sait où tu vas. Il va te mettre dans une histoire. Tu vas tomber amoureuse. Est-ce que tu sais qu'on peut tomber amoureuse de la sorcellerie? Hein? On peut avoir compassion de Dieu, une compassion, mais c'est la sorcellerie. Si, si. Tu abrites quelqu'un à la maison qui va te faire tomber, tu vas tomber, tu vas te séparer de ta femme parce que tu as abrité quelqu'un à la maison chez toi. Au nom de la compassion. Satan est malin. Il peut vouloir t'attaquer en 2025, mais commence déjà à travailler en juin 2023, 22. Calmement. Calmement. Il te fait tomber ton système de protection. Tu pries moins, il avance. Satan n'est pas pressé. Quand il donnera le coup en 2025, ça sera tellement fort que tu ne te relèveras plus. Moi, j'ai traversé des choses de ma vie. Je me suis dit, le combat spirituel est réel. Il ne faut pas blaguer avec Satan. Il est plus âgé que nous. Il a fait tomber quelqu'un qui n'avait pas de lien de famille.
il a fait tomber quelqu'un qui n'avait pas d'hôtel de réclamation. Adam n'avait aucun problème sur lequel Satan allait se poser pour dire oh le sang, oh la maison parentale. Il n'avait rien. Il venait tout droit de Dieu, fraîchement de Dieu. Mais il est tombé. Et c'est toi, avec les gens de famille d'où tu t'es retrouvé, de village, toi là-bas en Guadeloupe ou en Martinique, toi de la naissance, c'est passé au bord de l'océan. C'est compliqué. Voilà pourquoi le combat spirituel est réel. Et c'est à cause de ça qu'on a besoin du vrai prophétique. De Dieu qui peut te dire ma fille, attention. Ou mon fils, attention. Ne fais pas un pas de plus. Cette chose va te coûter la vie. Ne fais pas un pas de plus. Je prie ce soir pour ces hommes et ces femmes connectés, vous qui êtes ici. Que Dieu vous préserve de tout mal. Je dis que Dieu te préserve de tout mal. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Je dis que Dieu te préserve de tout mal. Toi qui en direct, j'aimerais qu'on batte les mains, qu'on commence à prier. Commence à prier. Merci. Prenez-moi un téléphone, s'il vous plaît. La main de Dieu est dans les nations. Je vois une famille. Je vois trois sœurs. Je vois une mère qui a un cancer. Une mère qui a un cancer. Et ils nous suivent en direct. Ils ne sont pas ici, ils nous suivent en direct. Okay. Dieu me dit, votre mère va être guérie. Amen. Et votre mère est assise avec vous. Elle est là. Elle était même comme en train de somnoler. L'arabasovala. Prenez un téléphone, plus 228. C'est fait. 9, 8. 5, 4. 0, 3. 1, 7. Appelez. Ça sonne. C'est lancé. C'est le mot du Togo. Est-ce que c'est écrit Togo? Lancez l'appel. La rabasso karababasha. Le rabasso parababasha. Rabasso karababasha. Le rabasso karabasso karababasha. C'est bon? C'est Togo appelé. Quand j'ai parlé de camp de Dieu, quand je parle de Jacob, j'ai vu un flash de mon esprit. La rabasso parababasha. La rabasso, lancez l'appel si vous pouvez. Ça sonne? Il est en ligne? Il n'est pas en ligne. Cherchez-le sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Vous êtes sur WhatsApp? Ça montre que ça sonne? Non. Écrivez. Sinon, je vais suspendre la prophétie, mais je vais revenir à lui dimanche. Je le vois dans mon esprit. Il s'appelle Barnabé. 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 Son église a un lien avec camp de Dieu. Camp de Dieu, international camp de Dieu. Ministère international, camp de Dieu comme ça. Je vais à côté de lui comme Geneviève. Chapi. 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 Je le donne en direct. Ceux qui sont du Togo vont appeler. Ils vont la voir. Je vais prophétiser comme ça. Je vois. Il va suivre ce direct. Au nom de Jésus-Christ, je vois
Vous avez rêvé de moi plus d'une fois. Vous avez rêvé de moi dans un contexte où vous vous étiez retrouvé en train de penser à l'homme de Dieu, Dr. T.L. Osborne. Et vous vous êtes dit, je dois entrer dans cette dimension de miracle, comme ce que j'ai vu chez le prophète Tato. Ainsi parle l'Éternel. Cette dimension vous sera accordée. Amen. Pendant que je parle là, la dimension des miracles se trouve dans le nom de votre première fille, car vous avez deux filles. La première fille s'appelle Manassé, comme Jacob. Okay. Manassé. Manassé Thaumaturge. Là, là-bas, quel nom? Manassé Thaumaturge. Part à quelque chose. Gatinat. C'est un nom comme togolais, comme ça. Et j'entends la langue que les gens parlent, c'est la langue qu'on appelle le Ave. Ave, Ave, Ave. Okay. Il y a togolais ici. Donc comme Ave, Ave, Ave. Ta deuxième fille, c'est comme un nom qui... C'est comme un nouvel fait comme ça. Et on me dit dans votre langue, ce nom veut dire grâce. Come on. Et ce prénom-là, c'est Joy. C'est Joy. C'est Joy. C'est Joy. Avance, prophète. Et votre femme, pendant que je parle là, les paris au la femme que vous avez comme épouse, elle est enceinte. Et vous avez deux enfants, filles, et vous avez même demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un garçon. L'enfant de le ventre, c'est un garçon. Avance, prophète. Je suis plus que convaincu que cet homme témoignera. Et pendant que je parle là, il y a une grâce qui est sur moi, qui vient sur vous là autour. Votre ministère a un lien comme avec camp de Dieu. Je vois comme 28-18. Vous allez me dire si c'est quoi. Je vois le premier enfant a comme dans les 4 ans. Deuxième enfant a comme un mois et quelque chose. D'ailleurs, je vois votre pasteur assistant, il s'appelle comme Ibrahim. Dieu dit de Dieu. Oh my God. Je vois mon dimanche, mardi, vous étiez en prière avec des gens. Et parmi ces gens-là, il y avait une Gabonais. Il y avait des Gabonais. Parmi les Gabonais, il y avait une femme qui est née au Togo, mais qui a vécu comme au Bénin. L'église était au Bénin. Elle s'appelle Karine. Et la femme dont, oh avance, prophète, avance, la femme prophète. Dont je parle là, son fils a un problème de tuberculose osseuse. Et le Dieu que je sers, le Dieu des tomatures est dans sa main maintenant. Et la guérison touche cette femme-là. Cette femme-là, Karine, elle reçoit la guérison de son enfant maintenant au nom de Jésus-Christ. Ah, mon esprit est loin. La main de Dieu est sur vous. Contactez le ministère ou les gens qui le connaissent, qu'ils contactent le ministère. Je parlerai, je prierai pour lui. Mais dimanche le 2 octobre, on va prophétiser. Je dis, on va prophétiser. Il faut que le vrai prophétique fasse ombrage au faux prophétique. Nous avons un Dieu qui a dit ici, n'est-il pas un Dieu de loin et de près? Ne voit-il pas ce qui est caché? Pourquoi diminuer Dieu au point de se connecter au mauvais souci? Dieu parle avec précision encore aujourd'hui. Levez les mains. Si vous êtes malade, recevez la guérison. Quel que soit le fardeau que vous avez emmené, soyez libéré et dégagé. Que le Dieu que je sers vous accorde le discernement des esprits. Yes. Je vois au Gabon des nominations avoir lieu. Et je vois une sœur qui me suit au Gabon, dont l'un des parents va être élevé bientôt dans le domaine de la politique. Et c'est une prophétie qu'on vous avait donnée qui va se réaliser maintenant. Car Dieu a décidé de vous honorer. L'Arabasaka. Dimanche prochain, on doit prophétiser pour les nations. Mais le mois d'octobre, novembre, décembre sont de très mauvais mois. Le monde connaîtra beaucoup de catastrophes. Beaucoup, je vous dis beaucoup de catastrophes. Octobre, novembre, décembre, ça va être terrible pour le monde. Mais les ténèbres vont couvrir la terre et la gloire de Dieu va s'élever sur les justes. Que le Dieu que je sers vous bénisse et vous multiplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Mettez-vous quelques minutes, s'il vous plaît. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? On peut balancer les mains en l'air. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je vais clôturer juste en disant que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, ce message vous a touché, vous étiez là en ligne par, peut-être par curiosité, vous allez juste répéter cette prière après moi. Vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, vous savez que si vous mourrez aujourd'hui, il n'y a pas d'éternité pour vous. Là où vous êtes, répétez cette prière après moi. Répétez après moi, on va tous prier avec ces personnes. Vous allez dire, Père,
Père éternel, je viens devant la croix tel que je suis, car je suis un pécheur. Je viens avec mon passé, avec mes péchés, avec mes iniquités. Et tel que je suis, c'est tel que je viens à toi. Pardonne mes péchés. Efface mes iniquités. Purifie-moi par ton sang. Je t'ouvre grand mon cœur et je te reçois, Jésus, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts, devant les hommes, devant les anges et devant ma conscience. Je déclare que dès aujourd'hui, Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie. Amen. C'est fait, on acclame très fort. Vous avez été touché, vous avez une adresse email. Écrivez-nous, dites-nous ce que Jésus a fait pour nous. Nous aimerons savoir qu'est-ce qui s'est passé dans vos cœurs et comment vous accompagner aussi dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Alors, tous ceux qui ont suivi ce direct, je veux clôturer en vous disant que dimanche prochain, nous serons en présentiel. Vous aurez déjà l'affiche et la vidéo de la publicité demain matin. Yeah. Faisons vraiment du bruit. Faisons. Dis à ton voisin, nous voulons entrer dans le bruit. Dis à ton voisin, dans le bon bruit. Hein. Nous allons aller dans le bruit. Et ce dimanche 2 octobre, nous aurons culte de 16h à 19h. En tout cas, ne ratez pas l'opportunité de venir. Nous allons expérimenter Dieu à notre dimension. Je parlerai sur les dieux, les balances et le monde spirituel. Vous devez écouter. Ça, c'est un film de Netflix. Ne devez pas rater ça. C'est terrible. Je vous dis, ça va être chaud. On va prier pour les malades. Vous avez quelqu'un de paralytique, aveugle, sourd, muet, cancer, arthrite, ou quelle que soit la maladie, Jésus-Christ est vivant. Et ce dimanche, il va guérir. Amen. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, invitez-le aussi. Joue un peu sur le fait que c'est la porte des cieux, c'est le prophète. Ou bien c'est mon église. Invitez-les. Trouvez des appâts, mais débrouillez-vous. Emmenez-nous ces personnes. Jésus va les sauver ce jour-là. Et puis rien ne sera comme avant dans leur vie. Amen. Et je vais terminer en disant, vous êtes bénis par ce ministère. Vous êtes tellement bénis par ce que Dieu fait ici. J'aimerais vous donner l'opportunité de partout où vous êtes vraiment dans en train de nous suivre, vous êtes en France ou ailleurs, de saisir l'opportunité pour, je ne dirais pas soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'on ne soutient pas l'œuvre de Dieu. C'est un privilège. Dieu est le seul qui soutient son œuvre. Ok? Il tient, il soutient. C'est lui qui soutient son œuvre. Il soutient toute chose par sa parole toute puissante. Nous ne pouvons pas soutenir son œuvre. Il est assez Dieu pour le faire. Mais c'est un privilège, c'est une grâce de participer à quelque chose qui touche des nations, qui touche des vies et qui change des générations. S'il vous plaît, si Dieu vous met à cœur de le faire, saisissez cette opportunité pour contribuer à ce que nous faisons. Actuellement, nous sommes en train de chercher vraiment une salle à Paris, au centre ou dans les environs, pour avoir notre quartier général avec les bureaux et tout ce qui ira avec. Mais nous ne pouvons que nous contenter actuellement des salles. J'aimerais vraiment, sachant tout ce que ça demande avec ce travail que nous sommes en implantation, pourquoi pas vous pourrez être les prémices de cette église en vous disant, quand elle va commencer, j'étais là aussi. J'étais peut-être pas là physiquement, mais par mes finances, mais par ce que j'ai pu donner, l'œuvre a avancé. Cette chère s'appelle Clarisse. C'est une sœur, je me permets de citer. C'est une sœur qui est aussi maintenant à la porte des cieux maintenant, qui me suit, ça fait longtemps. Elle s'était dit, comme plusieurs, je vais acheter la chaire. Quelqu'un qui avait dit qu'elle a acheté a dit, bon, je vais voir la prochaine fois. Toujours déjà en train de vivre dans la procrastination. Mais elle a dit, je vais acheter, elle a acheté. Et ça s'appelle Clarisse. Partout où elle est, elle a mis un grand témoignage dans le domaine immobilier où elle se retrouve. Elle donnera le témoignage bientôt, je pense même peut-être dimanche. Et cette chair, chaque fois que je prêcherai sur cette chair, elle a un pourcentage de bénédiction dans sa vie. Dites amen bien. C'est clair. Alors, acceptez que... Il y a même une famille qui est arrivée hier de Lyon. Ils sont arrivés et c'est leur maman qui avait offert des instruments à la porte des cieux. Donc, on doit aller à Lyon cette semaine. Lyon, on arrive, hein? Soyez sensibles pour écouter l'esprit où on sera. On ira voir cette famille certainement. Elle a semé quelques lots de matériel. Nous allons récupérer cela. Ça va nous servir ici ou à Kinshasa, mais surtout ici, parce que l'église est ici. Je disais, l'église est ici. L'action du dimanche prochain, c'est un homme de Dieu qui a dit il nous prête ses instruments. Il était là la veille, donne tout le matériel pour la veille. Donc, ce sont de très bons élans. Si vous avez à cœur de faire quelque chose, n'hésitez pas. Ça peut être en espèces ou en nature. Posez la question au responsable, posez-nous la question au bureau. En quoi vous pouvez vous rendre utile? Faisons-le.
parce que c'est, ce n'est pas mon église, ce n'est pas votre église, mais c'est notre église. Et c'est un plan de Dieu, un programme de Dieu pour impacter les générations. Qui est béni par la parole ce soir? Maintenant, à l'église locale Porte des Cieux, nous allons, ce qu'on voit à Kinshasa, on verra fois 7 ici. Parce que, bon, il n'y a pas de secret pour ça. Je veux que Paris soit notre grande base. Il n'y a pas eu des acclamations. Voilà, je veux que Paris soit notre grande base. Dans la part Kinshasa, qu'on est notre grande, la deuxième grande base, peut-être même la plus grande, ici à Paris. Paris doit être la plaque tournante de nos activités. Parce qu'ici, on peut toucher l'Amérique, ici, on peut toucher le Moyen-Orient, ici, on peut toucher l'Afrique, on peut toucher beaucoup de coins à partir d'ici en France. Amen, amen. Amen. Et en tout cas, n'hésitez pas, le lien PayPal est là, on peut me donner le code QR rapidement, s'il vous plaît. Voilà, le code QR est là, vous pouvez utiliser votre téléphone et scanner, vous pourrez envoyer votre semence, 10 euros, 5 000, 10 000, 5 000, mais faites-le vraiment en vous disant, ce que je fais, c'est pour l'œuvre de Dieu. On doit acheter le matériel média et ne plus louer. On doit acheter tout ce qui va, les chaises et ne plus louer. On doit acheter nos propres instruments et ne plus louer. Il y a tellement de choses à faire. Nous sommes en implantation ici. Notre église n'a que 3 ans et demi à Kinshasa actuellement. Donc c'est un bébé de 3 ans, mais qui va accoucher des géants. Amen. Et le premier géant est ici à Paris. Dis avec moi, ici c'est Paris. Acclame très fort encore pour le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous allez faire, en tout cas, je prie que le Saint-Esprit cette semaine ne vous laisse pas tranquille. Si réellement vous devez participer à cette œuvre, que Dieu vous parle. Non pas ce que j'ai dit du haut de la chair, mais ce que Dieu mettra dans votre cœur de faire pour cette œuvre sera bien mieux. Car vous le ferez librement en ayant obéi à ce que Dieu vous a dit. Que le Saint-Esprit vous parle dès aujourd'hui, jusqu'à la veille du 2 octobre et encore à la suite, sur votre place à la Porte des Cieux, et sur votre implication matérielle et financière dans ce programme et dans cette église. Pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour clôturer la prière. Déjà, je tenais à bénir tous ceux qui sont venus ce soir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le meilleur auditoire, le meilleur public, parce que c'est un show. En même temps, on peut acclamer pour le Seigneur. Merci. Merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Donc nous comptons sur vous pour être là dimanche, le 2 octobre. Habillez-vous très bien, soyez très 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 chic, parce que un enfant naît et il va naître ce 2 octobre. Mais moi je suis né le 4 octobre, donc préparez les cadeaux. Levez les mains, on va clôturer la prière. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur entre avec chacun de vous. Au nom de Jésus, amen. Je vous aime, soyez bénis, bonne soirée à vous tous et très bonne semaine. Au nom de Jésus, amen. Merci à la réalisation, merci.